Chers amis, bonsoir. Je suis à nouveau en votre compagnie ce soir pour vous présenter le partenariat de Solar Group. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de savoir comment gagner de l'argent grâce à cette société et grâce au business qui est proposé, qui s'appelle un financement participatif populaire. J'attends, comme à l'habitude, les quelques retardataires qui arrivent dans la salle, histoire de savoir, eh bien, s'ils sont intéressés à gagner de l'argent ou pas. Parce que c'est vrai que très souvent, on a des réflexions du genre, oui, je veux bien faire de l'investissement, mais je n'ai donc pas d'argent. Mais ça, on le sait bien, que très peu de gens ont de l'argent. Mais aujourd'hui, le financement participatif populaire, il y a le mot populaire. Donc, populaire veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Ça veut dire que tout un chacun peut aujourd'hui investir dans un projet tel que celui que nous avons. Et nous avons donc, dans ce sens, eh bien, une société, Solar Group, qui récolte des fonds pour un projet. Et dans un autre côté, on a besoin d'avoir de gagner de l'argent rapidement parce que, eh bien, si on veut investir, eh bien, il faut aussi avoir un petit peu d'argent, même si on peut acquérir des parts dans le projet que nous proposons avec de petites sommes. Mais une petite somme ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas payer. Il faut quand même régulièrement avoir de l'argent qui rentre et avoir la possibilité de pouvoir payer justement les fameuses mensualités. Parce que, encore une fois, ce que nous proposons est progressif. C'est progressif dans la mesure où on peut aller un petit peu pas à pas. Vous commencez par investir un petit peu d'argent chaque mois. Mais le problème, c'est le chaque mois. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ça peut encore aller, mais alors arrive le quatrième ou le cinquième, et là, ça commence à coincer, parce que, ben, vous le savez bien, nous avons tous et toutes des aléas qui nous arrivent dans la vie. Il y a eu notamment le Covid, il y a eu beaucoup d'autres choses, et dans la vie courante, il y a aussi beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir honorer nos différentes mensualités. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes très souvent attirés par quelque chose qui pourrait nous rapporter de l'argent au départ, et puis on se rend vite compte, eh bien, qu'il faut payer chaque mois. Et quand il faut payer chaque mois, eh bien, on coince. On coince pourquoi? Parce que, eh bien, on n'a pas forcément l'argent, ou alors on n'a plus l'argent. Beaucoup de gens investissent malheureusement dans ce que l'on appelle des scams ou des arnaques, et qui sont souvent des hype. On appelle ça des hypes. Ce sont des sites dans lesquels les gens investissent et pensent avoir de l'argent très rapidement, mais en fait, ils perdent la mise, c'est-à-dire ce qu'ils ont investi au départ. Beaucoup de gens aussi misent de l'argent et misent de l'argent justement en faisant des prêts à la banque. Ça, je le déconseille vraiment de toutes les manières possibles. Quel que soit le business, n'empruntez jamais d'argent à la banque. C'est vraiment une règle d'or. On ne conseille absolument ça à personne. Maintenant, comment faire pour justement honorer toutes ces mensualités chaque mois lorsque l'on commence à faire de l'investissement? Eh bien, il existe ce que l'on appelle le partenariat. Je voudrais préciser ici que le partenariat n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais il nous rend bien des services. Et en tout cas, il permet de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent rapidement. Et c'est justement ce que la plupart des gens nous demandent. Lorsqu'il y a des gens qui investissent dans des arnaques ou dans des hypes, eh bien, eux, ils sont intéressés à gagner de l'argent très vite. Mais ils veulent gagner des pourcentages chaque jour, des pourcentages, mais sans rien faire du tout. Or, ça, malheureusement, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie, il faut savoir qu'il faut travailler. Et très souvent, je rencontre des gens qui sont justement connectés à notre business et qui aimeraient savoir comment ça se passe pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut donc travailler, très cher coach? Parce que souvent, moi, je dis qu'il faut travailler. Mais les gens me disent, mais il faut travailler quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et justement, je faisais un petit peu palabre pour que vous puissiez contacter toutes les personnes qui sont intéressées à gagner de l'argent. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai présenté le projet des moteurs du UNOF, pour lequel la société Solar Group eh bien, récolte des fonds. Et nous avions plus de 50 personnes intéressées par le projet. Aujourd'hui, je me rends compte que gagner de l'argent, ça intéresse moins de personnes. Donc, c'est un peu bizarre parce que justement, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que
On devait d'abord gagner de l'argent pour investir. Et là, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui investissent et qui ne cherchent pas à savoir d'où ils vont sortir l'argent. Donc, c'est un petit peu le paradoxe. C'est un petit peu le monde à l'envers. Mais ça, on le sait qu'aujourd'hui, le monde vit à l'envers. Mais que voulez-vous, malgré tout, il y a des solutions. Il y a des solutions et ces solutions, je souhaiterais vous les apporter. Et pour cela, eh bien, je vais m'appuyer comme à l'habitude avec un document qui s'appelle un PowerPoint. Et on se retrouve dans quelques secondes pour avoir des explications plus précises sur comment gagner de l'argent avec ce argot. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui sont arrivés eh bien, dans la salle Zoom, je vous invite à partager le lien que vous avez reçu avec d'autres personnes pour qu'elles puissent participer également à cette présentation de ce soir. Vous l'avez vu, c'est la présentation du programme de partenariat Solar Group. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit donc de savoir comment on va pouvoir gagner de l'argent avec Solar Group. Voici donc la présentation de l'entreprise de partenariat Solar Group. Alors aujourd'hui, comme ce nom l'indique, nous n'allons pas parler spécifiquement du projet que nous soutenons, mais nous allons plus parler, eh bien, de comment gagner de l'argent. Qui suis-je? Eh bien, je suis Gilles Weber, partenaire national Solar Group pour la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Je gère donc sept pays et justement, moi, je m'occupe du partenariat. C'est pour ça que je suis partenaire national. Et l'autre jour, bien, quelqu'un me demandait quelle était donc la différence entre un partenaire et un client. Eh bien, je vais donc ce soir vous donner ces explications que vous attendiez peut-être et que vous n'aviez peut-être pas bien compris. C'est vrai qu'il y a des gens qui investissent de l'argent, mais qui n'ont pas compris qu'on pouvait aussi en gagner grâce à cela. Donc, investir de l'argent, c'est une chose. Mais lorsque vous investissez de l'argent, eh bien, ce que l'on appelle le retour sur investissement se fera que dans quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne entre 2 et 3 ans à attendre. Et par contre, le partenariat, ça rapporte de l'argent tout de suite, dès demain, en fonction bien sûr de votre volonté de faire quelque chose et de travailler. Encore une fois, ce travail consiste en quoi? Eh bien, il consiste à faire palabre. Il consiste à promotionner. Il consiste à parler autour de vous de ce que vous connaissez et de ce que vous avez entendu. Et voilà donc ce soir les explications plus en détail. Que fait la société Solar Group? C'est une société financière internationale de nouvelle génération dans le domaine de l'investissement participatif. C'est-à-dire qu'elle récolte des fonds pour un projet. Et cette société Solar Group a comme mission, eh bien, de préserver la planète en soutenant une technologie innovante et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. C'est-à-dire que la mission aujourd'hui de Solar Group, c'est d'une part de récolter des fonds, mais de ne pas avoir choisi n'importe quel projet, d'avoir choisi également un projet qui a l'allure écologique et d'une technologie innovante. Ce qui est toujours notamment le cas de tous les projets que vous présentera Solar Group à l'avenir. Pourquoi je parle aussi de l'avenir? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, nous soutenons un seul projet, mais à l'avenir, nous en soutiendrons beaucoup plus. Nous allons soutenir un autre projet à la suite de celui que nous allons, pour lequel nous travaillons actuellement. Et nous allons avoir d'autres projets à la suite, ce qui fait que la société Solar Group a ce que l'on appelle, eh bien, du potentiel devant elle. Elle a du potentiel parce qu'aujourd'hui, nous sommes, et nous allons le voir dans un instant, près de 400 000 personnes, 400 000 personnes qui vont faire de la promotion tout autour d'eux. Promotion comment? Eh bien, en parlant tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez rencontrer des gens et vous allez parler de ce que vous connaissez, de ce projet que nous soutenons. Alors, à l'échelle de l'entreprise, on peut faire une comparaison entre 2017, que vous voyez en haut, les chiffres, et 2022. C'est vrai que c'est un petit peu effacé, mais on peut distinguer quand même. Donc, en 2017, nous avions 20 000 participants. Aujourd'hui, nous en avons plus de 360 000. J'ai même parlé tout à l'heure de 400 000. Pourquoi? Mais parce que entre le moment où nous éditons ce genre de chiffres et nous sommes en 2022, mais bien avancés en 2022, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui se rajoutent et nous frôlons maintenant les 400 000 personnes. 2 800 investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes plus de 47 000 investisseurs et Dieu sait que nous sommes peut-être déjà 48 000.
700 partenaires. Les partenaires, nous allons voir ce que c'est que dans un instant. Ce sont des gens qui, effectivement, vont avoir l'intention de gagner de l'argent avec Solar Group de suite. 13 900 partenaires. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 14 000. Les partenaires sont les gens comme vous et moi qui allons faire de la promotion du projet. Et puis, nous avons des pays. Alors, ça varie des fois, c'est 194, 197, parce qu'il y a de temps en temps quelques petits pays qui se rajoutent encore et qui font partie de la liste des gens qui participent. Très souvent, on a la réflexion de dire, mais pourquoi vous êtes venu dans mon pays? Parce que dans mon pays, il n'y a donc pas d'argent. Et justement, nous, on vous apporte la solution de vous apporter de l'argent pour que vous puissiez participer à ce projet. Et comment est-ce que l'on fait ça? Si on tourne un petit peu en arrière quand même sur ce slide pour voir la rétrospective de Solar Group, c'est de voir une évolution extrêmement positive entre 2017 et 2022. Vous voyez que le nombre de participants a progressivement augmenté et que le nombre d'investisseurs aussi, mais aussi le nombre de partenaires. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter également l'équipe Solar Group. Et ici, je vous demanderai d'être un peu attentif parce que je vais vous montrer doublement cette page, parce que nous avons rencontré chacun de ces personnages avec Barbara, mon assistante, qui sont donc Sergueï Semyonov, directeur général, Pavel Filipov, responsable du département de la communication et des relations publiques. D'ailleurs, lorsque Pavel Filipov vient en webinaire, vous êtes extrêmement nombreux à le suivre. Avec moi-même, parce qu'il y a toujours des questions très intéressantes et toujours des réponses qu'il peut donner à des choses que vous n'aviez peut-être pas bien perçues. Pavel Chatsky est le directeur commercial. C'est un peu mon chef qui dit, ah ben coucou, il faudrait faire un peu plus de chiffres dans ce pays-là. Voilà donc le super chef, c'est donc Pavel Chatsky. Et puis Alissa Koutsenskova, eh bien, c'est la responsable du réseau de partenariat. C'est elle qui fait les promotions, c'est elle qui parle de choses, de promo, de code, de tout ce que vous voulez. Vous savez, alors, à propos de code, et je vous révèle quelque chose, eh bien, dans les prochains temps, nous sommes en train de voir pour vous offrir justement lors de ces webinaires, eh bien, des codes bien spécifiques qui vous permettront d'avoir de très jolis cadeaux, des réductions très intéressantes que nous n'avons encore jamais vues dans des webinaires. Ah, mais ça, ce n'est encore pas fait. On verra ça dans les prochains temps. Nous avons déjà distribué la semaine dernière avec mon assistante Barbara lors du webinaire. Nous avions distribué des coupons, des codes, voilà, pardon, des codes promo pour obtenir 5% sur le premier achat d'un nouveau pack. Mais ce n'est pas toutes les semaines. Nous avons des différents webinaires au cours du mois et notamment un webinaire de présentation. Il y a également un webinaire de partenariat, il y a comme celui de ce soir, il y a la présentation de la société Solar Group, c'est encore un autre webinaire, et nous avons également un invité spécial par mois. Ce mois-ci, justement, c'est Pavel Chatsky qui sera là. Je crois que c'est dans une ou deux semaines, le 22, je crois, il me semble, pas sûr, ou le 19, je ne sais plus. Bref, on verra, vous avez le calendrier des événements et des rencontres dans votre back-office. N'hésitez surtout pas à aller voir parce que parfois les gens nous posent des questions, c'est où se trouvent les informations concernant les webinaires? Eh bien, c'est tout simplement dans votre back-office, dans la rubrique pour les partenaires, justement pour les partenaires, on en parle. Et ensuite, vous devez cliquer sur événements également et vous avez également dans événements les rencontres et vous avez les événements de webinaires en ligne. Donc, ça, c'est dans le back-office. Mais pour les partenaires, c'est une grosse rubrique. Donc, événement, c'est un petit peu à part. Donc, vous pouvez le retrouver à part et vous pouvez voir ça. Alors, je voudrais revenir sur les personnages qui sont là, présents. Donc, il y a également Eugène Lavrinov. Alors, c'est quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer en Russie avec Barbara. Et c'est le responsable du service client. Et en fait, il s'occupe des chères demoiselles qui vous répondent au support. Notamment, c'est Cani, c'est Hélène et c'est Niki. Et les trois qui parlent français, eh bien, sont dirigés par Eugène Lavrinov. C'est une personne très importante au sein du système de l'équipe de Solar Group. Et puis, Vitaly, eh bien, Vitaly, lui, c'est un personnage que vous ne voyez pas beaucoup parce que, il travaille un peu dans l'ombre, comme on dit. C'est-à-dire que c'est le personnage qui, en fait, va vous changer le back-office et va vous apporter des nouveautés.
va vous apporter des nouveaux liens, des nouvelles choses qui vont apparaître dans le back-office. Et ça aussi, eh bien, ça me paraît quand même quelque chose d'assez intéressant. Je voudrais à présent justement profiter de ce webinaire pour vous montrer une image que vous n'avez jamais vue, qui est celle voilà, des mêmes personnages, mais en notre compagnie, c'est-à-dire en notre compagnie de moi et Barbara, lorsque nous étions eh bien, en Russie le 6 août dernier et les jours suivants. Voici donc sous une autre forme à nos côtés. Eh bien, Sergueï, le PDG, Pavel, le dirigeant second, Pavel Chatsky, lui aussi est là, nous l'avions interviewé sur le chantier, Alissa à nos côtés également, Eugène Lavrinov et Vitaly Avrianov qui se trouvent donc là derrière nous. Aussi quelques petits coucous d'autres personnages qui sont un peu sur les photos, parce que nous étions sur un bateau. Et vous pouvez également entreapercevoir derrière Vitaly eh bien, d'autres personnes qui étaient également présentes, notamment notre ami Victor du Cameroun. Voilà donc pour les jolies images. C'était juste pour vous faire voir qu'en fait, ces personnages ne sont pas des fantômes. Ce sont de vraies personnes que nous avons en photo avec nous. Et justement, ça fait plaisir pour moi-même de revoir ces photos, de se rappeler que nous étions en leur compagnie et que nous les côtoyons et que nous les connaissons et que nous avons des réunions avec eux, etc. Et que ce ne sont donc pas des personnes fictives. C'était important de le préciser parce que parfois, certaines personnes nous suivent et pensent que nous racontons un peu des histoires ou que ces gens n'existent pas ou qu'ils sont virtuels ou qu'ils sont derrière un écran et qu'ils se cachent. Eh bien, là, ils étaient à nos côtés. Et on ne peut pas faire mieux que de vous apporter justement les photos. Et moi, ça me fait très plaisir de vous les montrer. Bref, continuons. Alors, quelle est la philosophie de l'entreprise Solar Group? Eh bien, c'est d'avoir des investisseurs, un projet, mais aussi d'avoir des partenaires. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça fonctionne comme ça. Vous avez d'un côté des investisseurs, donc c'est-à-dire les fameux clients dont on parlait. Ce sont des gens qui vont investir de l'argent. Et après, les investisseurs peuvent aussi devenir des partenaires. Et il y a aussi des clients qui ne deviennent jamais des partenaires, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'investir de l'argent, mais ne sont pas du tout intéressés à développer le business. Qu'est-ce que ça veut dire développer le business? Eh bien, nous avons, parmi les pays que je couvre, beaucoup de pays africains. Et en Afrique, on dit faire du démarchage. Donc, du démarchage, je trouvais ce mot était plus intéressant et plus approprié à votre langage. Et donc, il s'agit de faire du démarchage. Si vous démarchez d'autres personnes pour qu'elles investissent, eh bien, on va vous donner un pourcentage. Et il s'agit effectivement de cela. Donc, en tant que partenaire, vous allez parler à d'autres personnes et vous allez parler justement de ce projet. Alors, il y en a qui disent, ah oui, mais moi, je ne sais pas parler. Ah, c'est bizarre parce que tous les jours, tout le monde parle de tout et de n'importe quoi. Est-ce que tu as vu la jolie moto qu'il a le gars là? Est-ce que tu as vu la jolie voiture? Est-ce que tu as vu le joli film? Est-ce que tu as goûté au bon restaurant qui vient d'ouvrir? Etc. Tout ça, ce ne sont que des palabres que vous faites tous les jours. Et pourtant, vous le faites facilement. Et là, quand il s'agit de parler de quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, ben, bizarrement, vous ne savez plus en parler et vous ne trouvez pas les mots et vous ne savez pas partager. Alors que vous partagez le chien, le chat, le repas de tonton et de tata, etc. Sachez que le produit de Solar Group, que vend Solar Group, eh bien, nous vendons des parts capables de montrer que vous êtes copropriétaire d'une société à l'étranger. Donc, si les gens sont intéressés par savoir ce que l'on fait, nous vendons des parts sociales d'une société qui va créer des moteurs électriques et qui va changer la vie des gens sur la planète entière. Donc, en fait, est-ce que le produit est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Je pense que tout le monde en a besoin. Je peux vous donner un exemple au Bénin. Lorsque nous avons été là-bas pendant quelques mois, on parlait aux gens de transport qui allait arriver dans les rues du Bénin, notamment des motos électriques. Et on disait, voilà, on vous présente des nouvelles motos électriques créées par notre partenaire. Qui est en Chine, qui s'appelle Monsieur Victor Arestov, et crée déjà des moteurs et des véhicules avec des moteurs électriques de chez Luhnov. Et on nous disait, non, 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 ça ne va pas venir chez nous. Puis il se trouve que maintenant, une société indienne est venue s'implanter au Bénin,
et qu'elle vend des milliers de moteurs, de motos, avec des moteurs électriques, et que bizarrement, ça existe, et c'est vrai. Alors, vous voyez, voilà, c'est juste un petit exemple pour vous dire que, il ne faut pas penser que cela n'arrivera pas chez vous. Cela arrivera forcément tôt ou tard chez vous. C'est dans l'air du temps, comme on dit, et c'est comme ça que l'on va pouvoir avancer. Qu'est-ce que nous proposons, nous, Solar Group? Eh bien, c'est de financer le Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sobelmash. C'est la société que vous voyez ici en image virtuelle. C'est une société qui va développer des moteurs électriques et notamment des moteurs qui sont d'une nouvelle technologie. Alors, ce soir, ce n'est pas une explication du projet des moteurs de Yunnan. Ce soir, c'est l'explication du partenariat. Il faut quand même parler du produit et du sujet. Donc, en fait, on promotionne cette société. On soutient cette société financièrement. Et nous cherchons des investisseurs. Et donc, vous, en tant que démarcheur, eh bien, vous allez faire toc-toc-toc à la porte d'autres personnes et vous allez dire bonjour, tu es mon ami, je te connais ou je te connais peu, ou vous pouvez donner ces informations sur les réseaux sociaux et vous pouvez inviter des gens à venir découvrir que nous investissons dans un projet innovant et écologique. Et à partir de là, eh bien, les gens peuvent être intéressés à investir parce que vous savez que la pollution de l'environnement est aussi une source de pollution due à l'augmentation de la consommation électrique et que ces moteurs consomment justement 40% d'électricité en moins. Donc, ce qui fait que ça devient un produit écologique parce qu'il consomme moins d'électricité. Et si l'on remplace une quantité importante des moteurs existants aujourd'hui sur notre planète par des moteurs de chez Duhnoff, eh bien, nous pourrions envisager de réduire de 5, 10, 15, 20, jusqu'à 30% au fil du temps, eh bien, la consommation électrique. Et ça va réduire la pollution sur la planète. La réduction du prix de fabrication de ces moteurs est également très importante parce que nous utilisons moins de matières premières. Et la fiabilité des moteurs est beaucoup plus élevée, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de refabriquer des moteurs tous les ans ou tous les 2 ans parce que ces moteurs tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps, ce qui fait que on utilise moins de matières premières, donc moins d'énergie pour produire de nouveaux moteurs. Maintenant, si l'on regarde un peu la feuille de route de Solar Group, au début, eh bien, en 1995, il y a eu des recherches sur le développement de la technologie Slavyanka. C'est notamment les moteurs dont on vous parlait à l'instant. En 2011, le début d'une large application pratique de ces moteurs, grâce à des brevets développés par Monsieur Duhnoff et son équipe qui s'appelle ASPP en Russie. Le début du financement a été lancé en 2017 par la société Solar Group. Et la préparation des divers documents pour construire un bureau technique d'études et d'ingénierie a été lancée. En 2019, la société Solamash a obtenu un terrain qui constitue aujourd'hui une garantie que nous pouvons largement donner. C'est une garantie d'État. C'est-à-dire que les gens qui vont investir dans ce projet peuvent être rassurés que ce projet ira jusqu'au bout et auront la garantie que ce projet aboutira. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons un soutien de l'État. Si vous êtes installé sur une zone franche, vous avez obtenu un terrain dans une zone économique spéciale comme l'a obtenu la société Sorelmash, eh bien, vous avez un soutien de l'État. Ce qui fait que nous avons obtenu un permis de construire en 2020 et nous avons pu commencer le début des travaux de construction du chantier du bureau technique d'études et d'ingénierie. Les travaux du cycle zéro ont été réalisés. Le cycle zéro, c'est quoi? C'était les fondations. C'était également le montage de la structure métallique du bâtiment, qui fait quand même pas loin de 17 000 mètres carrés et que nous avons visité, bien évidemment, il n'y a pas longtemps, avec un ensemble de personnes qui étaient avec nous du côté donc de Zelenograd. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, je vous laisserai avec une vidéo justement qui retracera notre visite sur le terrain et notamment de délégations étrangères et de pays dont vous-même vous êtes très certainement originaire et qui êtes là ce soir au webinaire pour que vous puissiez voir qu'il y a eu des gens qui sont venus sur le terrain pour constater la réalité et de constater l'avancée des travaux qui se fait donc là-bas en Russie.
L'investissement participatif, c'est quelque chose qui permet de récolter des fonds. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à une banque? Eh bien, tout simplement parce que les fonds nécessaires s'élèvent à 60 millions de dollars et que si vous êtes une start-up, ce qui était le cas en 2017 pour la société Sauvelmash, eh bien, vous ne faites pas coucou à une banque et vous dites bonjour, j'ai besoin de 60 millions de dollars et on va vous dire, mais combien avez-vous de maisons, de châteaux et de yachts à donner en caution? Ce qui n'est pas forcément facile pour une société qui démarre. Aujourd'hui, la société Sauvelmash a déjà créé des moteurs électriques et a déjà créé de nombreux développements qui ont été cités notamment sur notre chaîne YouTube en français et que je vous invite d'ailleurs à visiter. On vous donnera tout à l'heure le lien également pour que vous puissiez voir tout cela. D'ailleurs, si mon assistante Barbara m'entend, elle peut aussi vous donner le lien de la chaîne YouTube dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil, notamment sur ce qui concerne tout le développement et toute la construction du bâtiment dont on vous parlait à l'instant. Le marché de l'investissement participatif grandit. Eh bien, il grandit justement pour arriver jusqu'en 2030, jusqu'à 2 billions de dollars qui seront investis dans des financements participatifs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous lancez dans ce business, si vous vous lancez à faire du démarchage pour attirer de l'investissement, vous êtes dans un créneau qui effectivement ne fait que grimper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut peut-être dire, ah ben oui, Solar Group, on ne connaît pas trop, bien que ça fait 5 ans. Donc, ça, on ne connaît pas trop, c'est un petit peu compliqué, mais il y a toujours des gens nouveaux qui découvrent, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler du financement participatif. Donc, renseignez-vous, regardez ce que c'est que le crowd investing, regardez ce que c'est que le crowd funding. Nous sommes dans le crowd investing equity. C'est-à-dire qu'en échange de l'argent que les gens versent, ils ont des parts sociales, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des actifs à l'étranger, c'est-à-dire que ce sont des futures actions de la société Sauvelmash. Et alors, vous allez me dire, d'accord, mais alors comment fait-on pour gagner de l'argent? Eh bien, on va parler tout simplement des diverses personnes et on va arriver aux partenaires, c'est-à-dire ceux qui vont gagner de l'argent, pour que vous compreniez bien le système. Vous avez des investisseurs, donc ce sont des gens qui investissent de l'argent. Vous avez quelqu'un qui découvre le projet, qui dit, OK, ça m'intéresse. Moi, je veux bien investir de l'argent, je veux avoir un retour sur investissement dans 2 ou 3 ans, lorsque la société sera en développement, qu'elle aura réalisé son premier bilan comptable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que la société, même si elle développe déjà des moteurs, même si elle fait déjà des choses, elle n'a pas encore les capacités totales pour pouvoir travailler. Il manque le bâtiment. Or, ce bâtiment sera terminé d'ici la mi-2023. Ensuite, il faut considérer 1 an d'exercice comptable et ensuite seulement il y aura des retours sur investissement, soit sous forme de dividendes au départ, ou alors il y a également ce qu'on appelle une introduction en bourse qui est prévue, mais d'ici 2025 seulement. Donc, de ce fait, il y a un délai, un laps de temps entre le moment où on investit et le moment où on reçoit des retours sur investissement. Donc, c'est ça dont on parle ici. On parle des investisseurs privés. Maintenant, nous allons parler des partenaires. Les partenaires peuvent également être des investisseurs. Bien sûr, à la base, il est même très conseillé pour être partenaire d'être déjà un investisseur. Donc, on investit de l'argent, mais en plus de faire de l'investissement, eh bien, on va décider de développer le business, c'est-à-dire on va développer la façon d'en parler. On va donc faire palabre autour de soi, on va inviter des gens à découvrir ce projet, et à partir de là, si les gens sont intéressés, ils vont également investir. Et vous, en tant que démarcheur, parce que vous avez amené du monde, eh bien, vous allez recevoir des commissions qui vont vous être versées en dollars sur votre compte Solar Group. Oui, parce que chaque personne qui s'inscrit sur Solar Group dispose d'un compte en ligne. Et ce compte en ligne s'appelle en général un back-office. Maintenant, si vous êtes nouveau et que vous venez juste d'arriver, eh bien, vous avez peut-être eu l'occasion à ce que quelqu'un vous en parle de ce projet. À ce moment-là, je vous inviterai à vous tourner vers cette personne et de vous inscrire si vous êtes tout nouveau et que vous n'avez jamais entendu parler de cela et que vous n'avez jamais pu participer. Pour les personnes qui étaient déjà là et qui n'ont peut-être rien compris, eh bien, elles vont pouvoir enfin gagner de l'argent.
Parce que, en fait, les gens sont souvent pressés de dire, est-ce que je vais gagner de l'argent demain? Quand est-ce qu'on rentre en bourse? Quand est-ce qu'on va recevoir les premiers dividendes? C'est d'ailleurs une question récurrente tous les jours, mais qui ne rapporte pas forcément d'argent immédiatement. Parce que cette question, eh bien, est suspendue à la production et un bilan comptable et une introduction en bourse réalisée par la société Solmash. Solmash, je parle bien. Maintenant, la société Solar Group a intégré la société Solmash à 49,5%, ce qui veut dire que la société Solar Group, aujourd'hui, eh bien, ne fait que récolter des fonds. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ces fonds? Eh bien, elle les verse à Monsieur Duyunov, à ce monsieur qui développe, qui est chef de projet et qui développe cette société Solmash. Nous ne faisons pour l'instant que verser de l'argent. Quand est-ce que nous allons recevoir des retours sur investissement? Eh bien, les retours sur investissement, je vous l'ai dit, seront après un premier bilan comptable d'ici 2024, environ 2025. Oui, il faut un certain temps pour pouvoir démarrer quelque chose. Voyez-vous, parfois, les gens mettent un peu ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs. Ils pensent que, eh bien, avant de pouvoir avoir le magasin, de pouvoir ouvrir les portes, il faut souvent installer des étagères, il faut amener le gaz, l'électricité. Il faut amener la lumière, il faut donner un coup de peinture. Et il faut installer la caisse, il faut installer la caissière aussi, parfois. Et ce qui fait que seulement après, on commence à vendre. Et là, c'est un peu la même chose. C'est un peu aussi, comment pourrais-vous comparer ça à un arbre fruitier? Vous semez la graine, mais vous voudriez déjà récolter la pomme alors que l'arbre n'a même pas encore commencé à pousser. Donc c'est un peu ça. Il faudrait que vous preniez les choses dans le bon ordre. Pour l'instant, la société Solar Group récolte des fonds pour la société Solmash. Et vous, vous allez pouvoir contribuer à cela. C'est-à-dire qu'en tant que partenaire, vous allez pouvoir amener d'autres personnes à investir. C'est-à-dire que vous allez les prendre par la main. Vous allez dire, tiens, viens, je te montre un projet intéressant. Je te montre quelque chose qui va pouvoir te rapporter de l'argent et qui va pouvoir te rapporter de l'argent non seulement dans 2 ou 3 ans, mais aussi de l'argent immédiatement si tu me suis à faire du partenariat. En quoi consiste ce partenariat? Je répète, hein, parce que parfois les gens ont peut-être un mot qu'ils comprennent mieux qu'un autre. Alors, pour faire du partenariat, vous devez en parler autour de vous. Vous devez expliquer qu'il y a possibilité de gagner de l'argent par ce qu'on appelle un plan marketing. Et les personnes qui sont donc officiellement engagées dans le partenariat, eh bien, ce sont des gens qui vont soutenir la société et qui vont en parler à d'autres personnes. Alors voici le programme de partenariat et le type de marketing qui est le plus efficace du 21e siècle. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle eh bien, de l'affiliation. Vous allez pouvoir en parler autour de vous. Voici quelques indications en vidéo. La société Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération. Par le biais d'investissements participatifs ou d'un mécanisme d'investissement collectif, ainsi que d'un vaste réseau de partenaires, nous organisons le financement de projets commerciaux technologiques prometteurs dans le monde entier. Nous offrons à chaque personne la possibilité d'augmenter ses revenus aujourd'hui et de recevoir un revenu passif demain, devenant copropriétaire de la société au stade de capital risque. La mission de Solar Group est de préserver la planète en soutenant la technologie et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. Nous croyons que nous pouvons changer le monde pour le mieux. Solar Group opère depuis 2017. Le nombre de clients a augmenté chaque année et maintenant plus de 320 000 personnes du monde entier sont inscrites dans le back-office Solar Group. La société compte plus de 15 000 partenaires. Des bureaux de représentation nationaux de Solar Group sont ouverts dans 18 pays sur différents continents. Cela nous a fait l'un des leaders dans le domaine d'investissement participatif. L'investissement participatif au collectif est la direction la plus prometteuse dans le monde de l'investissement. Son essence est que l'investissement est disponible pour toute personne ayant tout revenu. Tout le monde investit autant qu'il peut se permettre, mais le montant total est suffisant pour la mise en œuvre de l'idée. Le projet d'affaires partage ensuite les bénéfices avec les investisseurs. Solar Group rassemble des investisseurs, des partenaires, des projets innovants et chacun de ces groupes a sa propre valeur. Nous donnons aux investisseurs la possibilité de devenir copropriétaires d'une entreprise prometteuse et de gagner de l'argent à l'avenir. Investir est disponible pour chaque personne de n'importe où dans le monde. Le faible montant de l'investissement minimum
La protection juridique des fonds investis ainsi que le rendement potentiel élevé rendent la coopération avec Solar Group extrêmement attrayante, même pour les investisseurs débutants. Solar Group offre au projet un support marketing, un système prêt à l'emploi avec un back-office et des fonctions de réception de paiement facilitées. De plus, elle se charge d'une base juridique. Nous n'organisons le financement que pour les projets qui ont un plan d'affaires professionnel, qui s'appuie sur des technologies de pointe et qui peuvent apporter des avantages globaux au monde. Le projet actuel de Solar Group est les moteurs de Unov. Son objectif est de commercialiser la technologie Slavyanka qui permet de développer des moteurs électriques uniques dans leur efficacité énergétique. Les partenaires de Solar Group gagnent de l'argent en s'occupant de la promotion des produits de la société et du support client. Les partenaires investissent une partie de leurs revenus dans le projet de l'entreprise, augmentant aussi leur capital et assurant non seulement le présent mais aussi le bien-être financier futur. Tout le monde peut devenir un partenaire. Cela n'a pas besoin de capital et d'éducation spéciale. La société fournit gratuitement aux partenaires des outils et des matériaux modernes pour mener l'entreprise de partenariat. Il s'agit d'une vaste fonctionnalité du back-office, du contenu textuel, photos et vidéos, des présentations, des webinaires, ainsi que des promotions pour les partenaires. Le niveau de revenu d'un partenaire n'est limité à rien d'autre que ses objectifs. L'entreprise de partenariat peut être une source de revenus supplémentaires ou principale. Le partenaire invite un investisseur et reçoit jusqu'à 16% du montant de ses placements. Dans ce cas, il n'y a pas de limite sur le nombre d'inscriptions des clients. Horaire de travail flexible. Les partenaires de Solar Group déterminent eux-mêmes le montant de leur emploi et le temps qu'ils sont prêts à consacrer à l'entreprise de partenariat. Travail à distance. Vous pouvez travailler de n'importe où, dans n'importe quelle langue. Vous avez seulement besoin d'un accès Internet. Aucun risque de perte d'argent. Vous pouvez commencer à gagner de l'argent dans votre entreprise de partenariat sans investissement. Le partenaire reçoit un revenu garanti de chaque personne qu'il a invitée, même si cette personne l'a déjà dépassé dans les rangs. Atmosphère d'aide et de soutien. Solar Group n'est pas seulement une entreprise, c'est une communauté internationale de personnes partageant les mêmes idées, où le succès de chaque membre dépend du succès de toute l'équipe et vice-versa. Promotion de carrière et professionnelle. La société a créé toutes les conditions pour que les partenaires aspirent et puissent améliorer leurs compétences, se développer dans leur équipe, augmenter le statut de partenariat et avec cela augmenter le revenu et recevoir la reconnaissance du mérite. Le plan marketing de Solar Group est une échelle de carrière de 6 statuts de partenariat. Partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel et président. Plus le statut est élevé, plus le pourcentage total de bonus de partenariat est élevé. Le statut d'un partenaire dépend du montant de ses placements personnels ainsi que des statuts des partenaires de son équipe. Devenir un partenaire de Solar Group est simple. Inscrivez-vous dans votre back-office via le lien dans la description. Signez le contrat de partenariat dans la section documents de votre back-office. Commencez à gagner et à former votre capital dès aujourd'hui en promouvant l'innovation dans votre pays et dans le monde entier. Nous vous attendons dans l'équipe internationale et des partenaires de Solar Group. Voilà pour ces explications que vous venez de voir. Eh bien, l'entreprise de partenariat permet donc de gagner de l'argent dans la mesure où lorsque vous invitez des personnes et que celles-ci achètent, eh bien, vous percevez un pourcentage. Pourcentage qui vous est reversé dans votre back-office Solar Group. Donc, si vous êtes inscrit, vous avez donc un compte en ligne. Et sur ce compte en ligne, vous recevez donc des dollars qui sont versés sur ce qu'on appelle le compte bonus de partenariat. Ensuite, vous pouvez utiliser cet argent pour payer des parts lorsque vous achetez et que vous voulez payer des mensualités. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de retirer ces fonds dans votre poche pour pouvoir vivre tous les jours, c'est-à-dire manger, avoir possibilité eh bien, de dépenser cet argent. Attention, quelques petites conditions pour pouvoir retirer l'argent. Il faut que vous ayez investi 200 dollars minimum et vous ne pouvez retirer qu'à partir de 50 dollars. Attention, sur certains modes de paiement, de retrait, il y a des frais, comme notamment les bitcoins, qui sont donc assez élevés aujourd'hui. Et ce n'est pas Solar Group qui fait donc ces frais-là, mais c'est tout simplement la blockchain. Mais vous pouvez retirer de l'argent et vous pouvez donc retirer cet argent pour pouvoir vivre tous les jours. Et c'est justement l'avantage quand parfois je parle à des personnes et je dis « mais vous me dites que vous avez des difficultés financières. Ce mois-ci, je ne peux pas parce que j'ai tel problème ou alors j'ai perdu mon emploi, etc. »
C'est vrai que c'est toujours malheureux lorsque les gens perdent leur emploi et c'est toujours très malheureux. Mais il faut savoir se remettre en question, il faut savoir remonter sur l'échelle ou sur le vélo ou ce que vous voudrez. L'essentiel, c'est que quand on tombe, eh bien, il faut savoir se relever. Se relever, c'est une façon de se relever en utilisant justement le partenariat. Il y a parfois aussi des gens qui ont des difficultés pour assurer justement leur mensualité. J'en avais parlé au début de ce webinaire. Si vous ne faites rien, bien sûr, ça va rester comme ça. Si vous faites quelque chose, eh bien, vous aurez l'occasion de pouvoir parfaire vos finances, d'avoir des possibilités de gagner de l'argent, de retirer cet argent et aussi de pouvoir investir. L'autre jour encore, j'ai eu quelqu'un qui me disait, moi, je suis étudiante et je n'ai donc pas d'argent. Mais même quand on est étudiant, on peut gagner tout l'argent qui permet de payer ses études, tout l'argent qui permet de manger tous les jours et tout l'argent qui est nécessaire pour pouvoir investir. Parce que quand on est jeune, on conseille vraiment aux gens d'investir jeune, dès votre jeune âge, commencez à investir pour que lorsque vous serez dans un âge plus élevé, pour que vous puissiez avoir déjà des retours sur investissement et avoir fait des bons projets et ne pas attendre trop longtemps. Oui, je suis étudiant, je n'ai donc pas d'argent. Mais là encore une fois, c'est une petite excuse que je pense que chacun peut avoir. Oui, c'est vrai qu'il y a le temps qu'on doit consacrer aux études et c'est important aussi. Mais il y a aussi un certain temps à consacrer à ce business. Si vous consacrez du temps, vous allez gagner plus d'argent. Si vous consacrez peu de temps, vous n'allez pas gagner autant d'argent. À moins que vous ayez des leaders que vous allez trouver, que vous allez affilier à votre structure, qui sont des leaders vraiment déjà férus et que ce sont des gens qui ont tendance à faire beaucoup de travail. Donc, soit il faut batailler un peu, il faut travailler un peu dur au début. Je n'ai jamais dit que le partenariat, c'était quelque chose de facile. Parfois, les gens me disent, ah oui, mais coach, mais tu dis que ceci, que cela, oui, qu'il faut faire ceci, cela, oui, mais je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais, très chers amis, est-ce que vous trouvez que c'est facile de se lever à 5h ou 6h du matin pour aller travailler? Est-ce que vous trouvez que c'est facile de travailler 7, 8h, 10h ou même 12h par jour pour certains? Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'être parfois sans argent et d'aller au carrefour pour vendre des masques ou des babioles avec les voitures qui risquent de vous écraser? Est-ce que vous pensez que c'est facile de travailler toute la journée sous le soleil avec un casque sur la tête et avec une pelle et une pioche? Est-ce que vous trouvez que c'est facile tout ça? Non, rien n'est facile. Alors pourquoi pensez-vous que ce soit si difficile d'aller faire palabre autour de vous? Comment pouvez-vous penser que ce soit si difficile de faire front à des personnes qui parfois vous apportent un peu de négatif en vous disant oui, mais ça, c'est pas bien parce que ceci, parce que cela. Il y a toujours Pierre-Paul Jacques qui connaissent les choses mieux que les autres et qui voudrait vous dissuader de faire ce travail-là, alors que ce travail est noble parce que vous pouvez travailler à l'intérieur au sec, vous pouvez travailler à l'intérieur sans avoir le soleil sur la tête, vous pouvez travailler à l'intérieur juste avec une connexion Internet et un smartphone, ce serait mieux encore avec un ordinateur. Mais si vous n'avez pas les moyens, quasiment tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Donc, voyez-vous, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste beaucoup de volonté. Et ça, le problème, c'est que la volonté, les gens ne l'ont plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut bien gagner de l'argent, mais on veut surtout rien faire. On veut surtout rester assis, dormir et surtout manger et s'amuser. Mais par contre, travailler, personne ne veut. Alors que travailler, ça fait partie justement du business. Mais encore une fois, de quoi s'agit-il de travailler? Eh bien, partager des choses sur Internet, partager ce que nous proposons, partager justement. Quels sont les avantages justement d'être dans ce système? Comment pouvez-vous accéder à ce système de travail avec les outils dont nous avons la possibilité de les piocher tout simplement dans un back-office? L'entrée est facile et le système d'apprentissage étape par étape est simple. Il s'agit de parler autour de vous du projet. Tiens, salut, est-ce que tu es au courant de ce que fait Solar Group? Est-ce que tu connais le projet des moteurs du UNOF? Voilà. Atmosphère d'aide et de soutien. Vous savez, mon assistante est là presque jour et nuit, elle répond à beaucoup de gens qui posent des questions. Moi-même, je réponds à des gens qui sont sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Et nous répondons comme nous pouvons à toutes ces personnes. Parfois, nous les renverrons, nous enverrons aussi vers le support technique.
Et nous avons donc ce support technique qui existe également et qui vous permet justement de travailler. Nous avons des outils modernes et du matériel gratuit qui est disponible dans le back-office. Parfois, on nous demande des documents. Vous voyez, en ce moment, il y a un nouveau document qui est sorti qui vous explique le projet des moteurs de UNOF, il n'y a pas longtemps, dans toutes les langues. Ensuite, prochainement, va sortir un document qui sera tout ce que fait la société Sovelmash. Il a été édité en russe, il sera bientôt dans toutes les langues. Donc là aussi, vous avez carrément un document qui va vous faire, vous permettre de montrer un catalogue de ce que fait la société Sovelmash. On ne va pas dire que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, que, etc. Les récompenses monétaires sans risque, c'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent sans risque, sans même investir. Bon, ça, c'est encore un autre aspect parce que on vous dit que vous pouvez gagner de l'argent sans investir, c'est vrai, mais je ne vous conseille pas. Commencez par investir ne serait-ce qu'un minimum de 50 dollars par mois, environ 35 000 francs CFA par mois sur 10 mois, ce qui permet d'avoir plus de crédibilité parce que si vous avez rencontré une personne et qu'elle vous demande si vous-même vous avez déjà investi, que vous dites non, eh bien, elle va dire, ben, je commencerai à investir lorsque tu commenceras, toi, à investir. Parce que les gens croient d'abord en vous-même. Et parfois, lorsque vous allez voir des gens et que vous leur parlez d'un projet et que les gens vous disent non, c'est simplement parce que, pas parce qu'ils ne croient pas forcément dans le projet, c'est surtout parce qu'ils ne croient pas en vous. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément bonne cote auprès de cette personne-là. Mais ne vous arrêtez pas à cette personne parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent un job. Il y a tellement de gens qui cherchent à gagner de l'argent sur la planète. Il y a tellement de gens qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Telegram, etc. Vous savez, les anglophones, je parle maintenant des anglophones parce que ce sont des gens qui rentrent parfois dans différents groupes ou différents forums et ils contactent des gens inbox pour leur proposer tout un tas d'arnaques. Eh bien, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas aussi eh bien, un petit peu de zèle dans certains groupes et que vous ne contacteriez pas d'autres personnes dans d'autres groupes qui, justement, cherchent peut-être des jobs et à gagner de l'argent? Vous savez, les anglophones, eux, n'hésitent pas. Ils sont là, ils font toute la journée « Hi, hello, bonjour, comment vas-tu ?» etc. Et puis, au fin du compte, c'est pour vous coller une arnaque sur le dos. Alors que vous avez un produit qui est sûr, qui est garanti, qui paye. Et voilà, donc un emploi du temps libre aussi que vous avez. Vous pouvez travailler comme vous voulez, n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Une accessibilité, une transparence, parce que le produit que nous proposons et le projet en question eh bien, est toujours retransmis dans les différents groupes WhatsApp, Telegram ou Facebook, où on vous donne les informations en toute transparence de tout ce qui se passe toute la journée. Et un développement, une promotion professionnelle. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle des statuts dans ce que nous proposons. Les voici d'ailleurs, les statuts. Alors, vous pouvez devenir partenaire. Au début, vous êtes ce qu'on appelle un bleu, hein, si vous n'y connaissez pas grand-chose. Et puis, au fil du temps, eh bien, on vous apprend et puis vous devenez spécialiste. Et vous allez donc pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et vous devenez master. Puis là, vous gagnez un peu plus d'argent pendant votre temps libre. Vous arrivez à vous développer. Puis, vous devenez expert et vous réalisez une activité professionnelle. Et là, vous commencez déjà à développer un peu plus pour devenir professionnel. Et en tant que professionnel, eh bien là, en général, les gens consacrent un peu plus ou alors ils ont une bonne équipe, une bonne structure avec eux. Ils ont des leaders avec eux, avec lesquels ils travaillent, avec lesquels ils vont motiver, lesquels vont pouvoir faire des choses aussi pour pouvoir eh bien, assurer la suite de votre carrière. Et puis, il y a un nouveau statut qui est sorti au mois de mars. Il s'agit de président. Alors, oui, personnellement, on m'appelle parfois président. Bon, je n'aime pas trop ce terme-là. Je suis également au statut de président, c'est vrai. Merci à la compagnie, également par mon travail, parce que les choses ne se font pas toutes seules. Mais passer de partenaire à professionnel, et moi, je l'ai fait en une année, un an de travail à fond, et cela vous permet de passer de partenaire à professionnel. C'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez même le faire plus vite, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens, nous avons des outils, mais pas tout ce que moi, je n'avais pas au départ. Et aujourd'hui, vous avez tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Combien on gagne chez Solar Group? Qu'est-ce qu'on gagne chez Solar Group? Et comment on gagne cet argent? Et bien, chaque fois que quelqu'un va payer une mensualité, c'est-à-dire que nous proposons des packs, chaque fois que quelqu'un va acheter des packs, chacun que quelqu'un va acheter et faire de l'investissement, eh bien, vous, personnellement, si vous avez ramené cette personne, si cette personne s'est inscrite grâce à votre lien d'affiliation, grâce au cadeau que vous lui avez offert, eh bien, cette personne va vous rapporter 15% dès qu'elle va payer.
Chaque fois qu'elle va payer, vous allez avoir 2 minutes après dans votre compte Solar Group, vous allez recevoir 15% d'argent frais, qui est de l'argent en dollars que vous allez pouvoir utiliser pour payer vos mensualités ou alors que vous allez pouvoir retirer. Voilà donc ce que l'on vous propose. Et puis, dans la carrière, vous pouvez donc devenir spécialiste, master, expert, professionnel. Vous pouvez donc grimper et vous pouvez avoir différents niveaux. La personne que vous, personnellement, vous avez invitée va peut-être inviter d'autres personnes. Et puis, comme ça, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez peut-être tomber sur un leader, quelqu'un qui a peut-être déjà l'habitude de faire du marketing de réseau et qui aura l'habitude de proposer de l'affiliation à d'autres personnes. Parfois, il faut aller chercher. Et les gens me disent, oui, mais c'est trop dur parce que tel cousin ou tel beau-frère m'a dit que c'était une arnaque et que ça ne l'intéresse pas. Et donc, vous vous arrêtez au premier venu qui vous dit que ça ne l'intéresse pas. Moi, j'ai plusieurs milliers de personnes dans ma structure. Si à chaque fois que quelqu'un était venu me dire que ce n'était pas valable, eh bien, j'avais fait marche arrière, mais aujourd'hui, je ne serais pas à la place où je suis. Je ne serai très certainement pas partenaire national et je ne serai très certainement pas président dans les statuts. Donc, il faut un certain courage, il faut une certaine persévérance, il faut beaucoup de travail, il ne faut pas s'arrêter au premier venu qui va vous raconter des salades. Vous savez de quoi on parle, vous savez de quel est l'intérêt, mais il faut que vous puissiez mettre tout ça en avant dans votre tête. C'est-à-dire que dans votre tête, il faut que ce soit clair. Il faut que vous puissiez savoir ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez réussir ou est-ce que vous voulez suivre les ânes qui vous disent que ça ne sert à rien? D'accord? Pardon de cette expression, mais c'est vrai que tellement de gens sont là à vous donner des conseils, mais n'y connaissent rien. Vous savez, le beau-frère trader, celui qui connaît tout, qui a déjà tout fait, qui vient vous taxer 20 ou 30 000 à la fin du mois, et c'est toujours le même qui vous dit que lui, il gagne de l'argent, mais pourtant, il vient vous taxer de l'argent à la fin du mois. Comprenez que ces gens-là, il faut vraiment les mettre de côté. Mais bah, supprimez-les de votre vie, carrément. Foncez sur les réseaux sociaux, gagnez de l'argent. Parrainez des gens. Trouvez la solution pour pouvoir leur parler. Nous avons des outils, nous avons des webinaires, nous avons des documents, nous avons des tas de choses qui nous permettent aujourd'hui de vous faire avancer. Donc, c'est important vraiment de prendre en compte que nous avons des choses qui vous permettent de gagner de l'argent. Mais il ne faut pas s'arrêter à celui qui vous dit que ça ne marche pas. Je vais vous montrer comment on augmente les statuts, comment on passe de l'un à l'autre. Alors, pour devenir spécialiste, vous devez avoir investi 250 dollars personnellement. Donc, parfois, il y a des gens qui viennent avec ce qu'on appelle des petits packs pour les poules, que moi j'appelle ça, de 100 dollars. Ça existe dans certains pays et les gens pensent devenir riches avec ça. En fait, ils n'ont pas du tout l'intention de devenir riche. En fait, ils ont surtout l'intention de ne rien faire et de rester au bas de l'échelle. Pourquoi je parle du bas de l'échelle? Parce que moi, je suis le monsieur échelle. Voilà, moi, je suis Gilles Weber, je suis un coach, je suis un partenaire national et je vous tends une échelle parce que vous me dites, moi, je ne gagne pas d'argent. Mais vous ne voulez pas monter la première marche. Vous dites, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas d'argent, je recule. En fait, c'est comme si vous étiez au fond d'un trou. Moi, je vous donne une échelle et vous continuez à creuser à la place de monter l'échelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes trop habitué à reculer lorsqu'il y a le moindre petit problème. Le moindre petit truc, ça vous empêche d'avancer. Le moindre petit truc vous empêche. Et c'est pour ça que vous restez pauvre. Parce que, en fait, vous ne cherchez pas à gagner de l'argent. Vous cherchez toujours à avoir des excuses. Vous, toujours, vous allez dire, moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça, mais je n'ai pas de téléphone qui marche bien, mais je n'ai pas d'argent pour acheter des unités, mais je ne sais pas comment on fait pour aller sur Internet, mais mon beau-frère, il a dit que ceci. Mais voilà, ça, c'est tout des excuses. Il faut aller un peu plus loin, il faut faire le premier pas, il faut que vous soyez volontaire à faire quelque chose. Si vous-même, vous ne bousculez pas votre vie, vous ne bousculez pas votre train-train habituel, eh bien, vous n'arriverez à rien. Il faut complètement changer. Il faut décider de passer à l'action. Et même s'il pleut, et même s'il fait de l'orage, eh bien, il faut que vous avanciez. Parce que quand on avance, eh bien, on finit par atteindre un but. Mais si à la moindre goutte de pluie, on recule, on dit non, 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 c'est trop mouillé pour moi sortir. Il y a une présentation là dans ma ville aujourd'hui, mais il pleut, je n'y vais pas. Pourquoi?
Les manteaux de pluie, ça n'existe pas. Les parapluies, ça n'existe pas. Les coups de fil à des amis, hein, pour les prendre par la main et les amener, ça n'existe pas. Les taxis, ça n'existe pas. Vous voyez que tout ça, c'est juste des excuses et ce ne sont que de petits exemples que je vous donne là. En fait, tant de gens cherchent des excuses tous les jours, juste pour ne rien faire. Et ensuite, ils disent, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Mais faites le premier pas, faites un pas supplémentaire. Sortez de votre zone de confort. Sortez de là où vous êtes et regardez les grilles. Regardez les grilles, comment on fait. Regardez comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Regardez comment on avance. Regardez comment on fait. Pour devenir master, on doit investir 500 dollars. Donc, cherchez l'argent pour investir les 500 dollars. Cherchez les partenaires qui vont vous rapporter de l'argent pour pouvoir payer le mois prochain votre mensualité. Vous voulez devenir expert? Investissez 1500 dollars. Oh, mon Dieu, 1 million de francs CFA. Ben oui. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous ne voulez que ça tombe du ciel. Mais les chers amis, ça ne tombe pas du ciel. Il faut travailler, il faut cravacher, il faut bosser toute la journée. Et quand vous êtes chez un patron et que vous êtes en train de travailler toute la journée, ce n'est pas dur. Et quand vous vous levez à 6 heures du matin pour aller travailler, ce n'est pas dur. C'est dur aussi. Tout est dur, tout est difficile. Mais là, au moins, au bout du compte, vous avez un capital derrière. C'est-à-dire que vous avez à investir de l'argent. Lorsque vous gagnez votre salaire, ben vous le dépensez. Vous n'avez plus rien. Et là, vous mettez un peu d'argent de côté. Grâce au partenariat, vous arrivez à vous constituer ce qu'on appelle un capital d'actif à l'étranger. Et ce capital d'actif à l'étranger va un jour vous rapporter ce que l'on appelle des revenus passifs. Eh oui. Et la structure de partenariat, quand vous travaillez dans une structure de partenariat, pendant que vous dormez, que vous mangez ou que vous faites autre chose, eh bien, il y a de l'argent qui tombe. Moi, pendant que je fais mon webinaire, eh bien, avec les quelques milliers de personnes que j'ai dans ma structure, eh bien, j'ai de l'argent qui tombe. Parce que quelque part sur la planète, il y a des gens qui sont dans ma structure qui achètent des packs. Et qu'en fait, moi, je gagne de l'argent grâce aux différentes personnes qui ont fait du partenariat. Alors, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que vous comprenez mieux comment on gagne de l'argent. Et vous pouvez avoir cette grille-là, elle est sous vos yeux. D'ailleurs, ce document se trouve également dans le back-office. Parfois, on me dit, mais oui, mais c'est bien le document-là. Il est intéressant, justement, pour savoir comment on passe de l'un à l'autre. Ben, déjà, vous allez dans votre back-office, vous cliquez sur « Pour les partenaires » et toute la grille est affichée. On vous indique même combien il vous reste d'échelons à monter, de personnes à inviter, d'argent à investir, etc., pour pouvoir atteindre le niveau suivant. Donc, tout est indiqué dans votre back-office. Les documents sont dans le back-office téléchargeables dans toutes les langues. Les vidéos sont également là. Et les vidéos, on vous a donné très certainement tout à l'heure dans le chat, eh bien, on vous a donné le lien de la chaîne YouTube qui permet justement de pouvoir aller sur la chaîne et vous montrer les choses. La petite vidéo, d'ailleurs, je voudrais répondre tout de suite à une question qui avait été posée. La petite vidéo se trouve justement sur la chaîne YouTube et vous pouvez l'utiliser et vous pouvez la retrouver. N'hésitez surtout pas à utiliser la chaîne YouTube, tout est en français et c'est une chaîne qui vous permet de promotionner, de montrer ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette vidéo-là qui est une vidéo animée. Il y a aussi des vidéos de réalité, il y a la construction, il y a nos visites en Russie, etc. Toutes ces choses-là sont très importantes aujourd'hui pour montrer justement à d'autres personnes. Le statut de président, lui, requiert 5 personnes en tant qu'expert au premier niveau et on doit se requalifier pour avoir, il faut investir 10 000 dollars ou alors avoir un expert supplémentaire dans sa première ligne. Pour les gens qui arrivent au niveau de président, comme moi, eh bien, il faut bouger, et vous allez y arriver. Il y a des outils, je vous le disais tout à l'heure, dans le back-office, comme par exemple le matériel de marketing. Oui, il y a également des t-shirts, des stylos que vous pouvez imprimer, il y a des carnets, il y a plein de choses que vous pouvez acheter, que vous pouvez distribuer. Et comment ça, acheter? Eh bien oui, parce que quand on se lance dans un job, si vous ouvrez un magasin, est-ce que vous n'achetez rien? Vous n'achetez pas d'enseigne? Vous n'achetez pas de t-shirt pour votre personnel? Vous faites rien, quoi. Là,
quand vous faites du partenariat, eh bien, en fait, vous lancez votre propre affaire. Donc, à un moment donné, on investit un peu d'argent aussi dans la promotion. On investit de l'argent dans la publicité Facebook. On investit dans les choses qui sont à mettre en avant, une enseigne, des drapeaux, voilà, plein de choses. Vous pouvez même ouvrir peut-être un bureau chez vous, mais à votre propre compte, à votre nom, pas au nom de Solar Group, à votre nom. D'ailleurs, souvent, les gens nous demandent si nous avons des bureaux dans différents pays. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'offrir votre bureau, votre propre bureau, pas le bureau Solar Group, un bureau à vous, où vous êtes votre propre patron et où vous accueillez des gens pour leur montrer de quoi il s'agit. C'est ça un job, c'est ça se lancer à son propre compte. Parce que celui qui vend des vêtements, il a ou bien forcément un magasin, il ouvre un magasin, il a des rayons, il achète des vêtements, il a des cintres, il a des voilà, il a du personnel, il a des vendeuses, etc. Vous, si vous voulez vendre, si vous voulez vendre des parts sociales, eh bien, mettez-vous à votre propre compte, achetez-vous un téléphone, installez-vous chez vous, organisez un bureau, prenez une chaise, une table, installez-vous, recevez des gens, investissez dans un vidéoprojecteur. Parfois, les gens, ils attendent que ce soit moi qui leur fournisse tout sur un plateau. Mais réagissez, vous avez votre propre compte, mettez-vous à votre propre compte, prenez un registre du commerce. Et vous travaillez et vous gagnez des pourcentages et vous récupérez cet argent dans votre poche et vous gagnez votre vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens pensent parfois que nous, on est là pour apporter des solutions miracles. Ce n'est pas une solution miracle. Le miracle, c'est vous qui allez le réaliser. Le miracle, c'est vous qui allez travailler tous les jours dans votre propre bureau, à passer des coups de fil, à investir et à commencer à inviter des gens dans les webinaires, dans les salles présentes où il y a des présentations en présentiel, etc., etc. Tout ça, c'est votre job. C'est ça qu'on vous demande de faire. Les systèmes de formation et de soutien. Oui, nous avons un système de formation et de soutien. Nous avons des supports en ligne. Nous avons des systèmes d'analyse et d'efficacité. Tout ça, c'est là. Alors, à propos de formation, justement, vous avez la formation pour les partenaires qui se trouve dans la rubrique pour les partenaires. Là aussi, c'est dans votre back office. Il suffit d'y aller. Et là, vous avez 9 chapitres avec des textes à rallonge comme ça que vous pouvez apprendre, imprimer. Imprimez-les, montrez-les, distribuez-les. Faites des formations chez vous, dans votre bureau. Vous voyez, il y a des tas de choses à faire. Mais si vous ne faites rien et que vous attendez que ça tombe du ciel, il n'y a rien qui va se passer, chers amis. Il n'y a rien qui va se passer. Il faut commencer au moins par quelque chose. Inviter des gens. Inviter, 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 inviter encore. Vous ne savez pas comment inviter? Eh bien, les promotions qui permettent d'inviter. Il y a la formation qui vous explique comment inviter les clients, comment inviter les gens en webinaire, comment inviter les gens en présentiel, comment faire ceci, comment faire cela. Toute la formation est là en 9 chapitres. Et les promotions qui sont également en cours, comme par exemple la course des partenaires en ce moment, eh bien vous permet de gagner de l'argent en espèces parce que vous pouvez gagner en tant que master 100 $ lorsque vous passez master, vous pouvez gagner 300 $ si vous passez expert, vous pouvez gagner 500 $ si vous passez professionnel, vous pouvez gagner 1 000 $ si vous passez président. Eh bien c'est de l'argent que vous allez pouvoir gagner, ça c'est là. Promotion actuelle encore jusqu'à la fin du mois de septembre. Et il y en a qui sont peut-être un poil de passer un statut pour pouvoir gagner cet argent dans votre back office. Attention, cette promotion n'est que jusqu'à la fin du mois, ce que je viens de citer à l'instant. Les expansions mondiales sont importantes parce que aujourd'hui, eh bien, nous recherchons encore des représentants nationaux dans divers pays. Il y a d'ailleurs beaucoup de représentations nationales qui vont s'ouvrir cette année. Moi-même, je suis déjà partenaire national de 7 pays, dont 6 pays africains, et cela ne va pas s'arrêter parce que moi-même, je continue encore à très certainement œuvrer pour que d'autres pays africains ouvrent en partenariat national. C'est quoi un partenariat national? Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui va développer un peu plus et qui va trouver des leaders dans les différents pays et qui va les aider à développer leur pays et qui soutient des gens qui ont 500 000 personnes dans leur pays pour pouvoir venir eh bien, un peu plus grandir l'équipe Solar Group et les partenaires. Voici les différents partenaires nationaux que vous connaissez très certainement. Ils étaient avec nous pour la plupart en Russie dernièrement. Il y a donc notre ami Birdie, eh bien Monsieur Long également, lui n'était pas là, mais il est toujours en ligne avec nous.
Et moi-même, je suis donc Gilles Weber. Johann Butchpar, qui est donc le partenaire national de l'Allemagne. D'ailleurs, il y a eu un petit article récemment sur lui. Encore, Alexandre Manzulla est le dernier venu, parmi le dernier venu, qui est donc le partenaire national de la Russie. Dimitar Dimitrov était également là. Il y avait Massiliano Viviane Rossini. Il y avait également Elena Lozada. Laura Ginta n'était pas présente et Ishak Koubarlé est donc notre ami voisin du Bénin qui était également présent à Moscou. Donc, il ne manquait que deux personnes qui n'étaient pas présentes et tous les autres étaient là avec nous. Et vous pouvez le retrouver sur diverses photos qui ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux. Alors, les étapes simples pour devenir partenaire, c'est quoi? Déjà, premièrement, il faut s'inscrire. S'inscrire sur Solar Group. Si vous n'êtes pas inscrit, que vous écoutez ce webinaire, eh bien, que ce soit en direct ou en replay, eh bien, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité pour qu'elle vous inscrive avec un cadeau de 100 parts gratuite. Pour cela, vous devez lui donner votre nom, votre prénom, votre adresse email et votre numéro de téléphone de telle manière à ce qu'elle puisse vous envoyer un email, eh bien, un email qui va vous offrir 100 parts gratuites actuellement. Et vous-même également, vous allez pouvoir offrir 100 parts gratuites à 50 personnes par mois, juste après cela. Pas besoin d'avoir fait un investissement quelconque, vous pouvez déjà offrir des cadeaux. Donc, comme quoi, le système est fait pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez apporter quelque chose à d'autres personnes et gagner de l'argent. Étape 2, ouvrir la section de documents de votre profil, lire et signer les contrats de partenariat et d'investissement et commencer à agir. Je voudrais repréciser encore une fois que le contrat de partenariat est à lire en entier. Et que si vous êtes intéressé par avoir un contrat de partenariat en français, eh bien, je le tiens à votre disposition pour que vous puissiez bien lire entre les lignes ce qui est bien écrit, que vous devez vous immatriculer vous-même, que vous devez vous mettre à votre propre compte, que vous devez tout simplement gagner de l'argent avec nous et le déclarer. Parce que ça, je le précise, c'est un aspect important de ce que l'on propose aujourd'hui. Nous ne proposons pas quelque chose d'illégal ou de fantomatique. Nous proposons aux gens de gagner de l'argent en se mettant à leur propre compte. Oui, il faut payer des charges quand on est à son propre compte. Il faut payer peut-être un local, peut-être une ligne téléphonique, peut-être se payer un ordinateur. Mais c'est tout chef d'entreprise qui doit faire ça. Donc, soit on a l'âme et on a envie de gagner de l'argent, faire quelque chose, ou alors on fait rien, on reste assis là et on attend, on bras ballants, et on pense que l'argent va tomber du ciel, mais ça ne marche pas. Et là, après, on dit, ah oh oui, mais chez Solar Group, on ne gagne pas d'argent, hein, parce que tu ne fais rien. Parce que tu ne bouges pas, parce que tu ne prends pas des initiatives, parce que tu ne vas pas dans les bars, tu ne vas pas dans les soirées, tu ne vas pas sur Facebook, tu ne fais rien. Et donc, résultat, zéro. Voilà. Il faut bouger, 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 bouger. Voilà. C'est ça qu'il faut. Alors, faites partie de la communauté Solar Group. 13 900 partenaires de 194 pays. Alors, les chiffres changent des fois un petit peu. Hein. 13 900, on est 14 000. Des fois, on vous dit qu'on est 360 000. Là-bas, on a dit 320 000. On frôle les 400 000 hein, maintenant. Hein. Donc, en fait, entre le moment où les documents et les vidéos sont faites et le moment où on évolue, eh bien, il y a des fois une différence. Et puis, il y a toujours des gens qui s'inscrivent sur Solar Group et qui ne font rien. Donc, est-ce qu'on les considère à un moment donné comme étant des membres ou pas? Telle est la question. Parfois, c'est un petit peu contradictoire parce que les gens s'inscrivent et pensent qu'ils vont devenir riches juste comme ça en s'inscrivant. Non, désolé, ça ne marche pas. Chez nous, il n'y a pas la baguette magique. On ne fait pas hocus pocus. Bon, hocus pocus, c'est en Allemagne. Hein, c'est les gens qui font de la magie. Ils font, voilà, ouais, ils tapent avec la baguette magique sur le chapeau et il y a le petit lapin qui sort. Non, il n'y a rien qui sort parce que tant que vous ne travaillez pas toute la journée, que vous ne chassez pas tel un démarcheur, eh bien, vous n'allez rien gagner. J'espère que c'est un peu plus clair dans votre esprit. Est-ce que vous avez des questions? Parce que la question qui a été posée tout à l'heure dans le chat était celle de savoir si effectivement il y avait donc cette vidéo que j'ai montrée tout à l'heure quelque part. Oui, je vous rappellerai qu'elle existe, donc tout à fait, il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais donc revenir brièvement sur la page en entier. Voilà, je voudrais vous remercier déjà d'être là aussi nombreux ce soir encore. J'attends vos questions. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que le partenariat? Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner de l'argent grâce au partenariat? Ou est-ce que vous pensez que, comme beaucoup, que l'argent, ça vient tout seul?
ça ne vient vraiment pas tout seul, très sincèrement. Il faut vraiment vous lâcher. Il faut changer. Vous savez, si on ne change pas, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Et puis, un beau jour, on lui propose du travail. Vous êtes d'accord que cette personne va devoir s'adapter. Elle va devoir se lever. Elle va devoir prendre un véhicule. Elle va peut-être des fois devoir trouver un moyen de locomotion pour aller à son travail. Donc là aussi, c'est une galère parfois. Mais tous ces gens-là qui font ça, vous croyez qu'ils ne vont pas se débrouiller à un moment donné? C'est-à-dire qu'on leur propose un travail et ils disent, OK, il faut que je fasse des efforts. Les efforts, c'est qu'il faut que je me lève. Les efforts, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de locomotion pour y aller. Pour ceux qui n'en ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de moto, qui ont besoin des taxis, qui ont besoin des taxis-motos, des M, etc., pour aller à leur travail. Et si vous vous levez la main, vous pouvez m'écrire dans le chat, s'il vous plaît, c'est mieux, parce que sinon je commence à ouvrir les micros, on va finir à minuit. Donc, écrivez. Écrivez, s'il vous plaît. Apprenez aussi à écrire, parce que ça aussi, quand vous commencez à écrire, vous commencez à savoir travailler. Vous commencez à savoir rédiger des textes. Et parfois, les gens disent, mais où c'est qu'on va trouver les textes à rédiger? Eh bien, vous avez dans votre back-office une rubrique qui s'appelle connaissances. Donc, nous avons Shérif qui a un souci avec son compte. Eh bien, quel est votre souci? Dites-moi. Parce qu'il y a des gens qui avaient soucis pour accéder à leur compte à un moment donné, qui n'avaient pas lu les annonces et qui, depuis le 3 janvier, n'ont pas compris qu'il fallait faire mot de passe oublié. Donc, ça aussi, c'est une toute simple petite chose et qui, parfois, eh bien, n'est juste pas rentrée dans l'esprit des gens parce qu'ils n'ont pas lu. C'est un autre problème, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous diffusons de très, très nombreuses annonces chaque jour qui vous permettent de connaître le problème, de savoir comment accéder à votre compte, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Alors, on continue sur les questions. Une question qui m'a été posée pour quelqu'un qui a commencé à investir et qui ne veut plus poursuivre l'aventure pour des raisons diverses. Est-ce qu'un remboursement est faisable? Ben non, c'est marqué dans le contrat d'investissement que ce n'est pas remboursable. En fait, la personne a reçu des parts sociales. Si elle veut s'arrêter là, elle a reçu un certain nombre de parts, elle s'arrête et à ce moment-là, elle a les parts qui correspondent à son investissement. Si elle va jusqu'au bout du pack, eh bien, elle aura plus de parts. Et si elle veut absolument arrêter, eh bien, elle aura les parts qu'elle a achetées. Donc, en fait, imaginez maintenant que on va demander justement au monsieur qui est sur le chantier là, qui a mangé la dinde à Noël, qu'ils doivent recracher la dinde là parce que le monsieur il va être remboursé là-bas. Vous croyez que c'est faisable? Non. Alors, vous n'allez pas redemander l'argent qui a été investi dans la construction du bâtiment à l'ouvrier qui est en train de travailler sur le terrain. Parce que si vous allez travailler quelque part et que, je ne sais pas, on vous demande du jour au lendemain de rendre votre argent, est-ce que vous allez dire? Vous allez dire non, je suis désolé, moi je ne rends pas mon argent, j'ai travaillé pour mon argent. Eh bien, l'ouvrier qui construit le bâtiment, il dit la même chose. Il dit, moi, j'ai travaillé pour ce que j'ai fait. Donc, j'ai gagné mon argent, je ne vois pas pourquoi je le rendrais. Donc, il n'y a rien à rendre. Parce que la personne a reçu des parts, et quel que soit le nombre de parts que la personne a reçues pour son faible investissement, eh bien, elle a un certain nombre de parts qu'elle peut faire valider. Donc, c'est de l'argent, c'est de l'actif. C'est un actif à l'étranger. Donc je vais reprendre un petit peu au-dessus. Après investissement de 500 dollars, on me demande d'enregistrer mes parts. Oui, c'est normal. Quoi, voulez-vous devenir actionnaire sans vous enregistrer? J'achète des parts, mais je ne veux pas les enregistrer. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas les enregistrer? Vous ne voulez pas être sur le registre des actionnaires. Donc ça ne vous intéresse pas. Vous achetez des parts, mais en fait, vous ne voulez rien en faire. Il faut les enregistrer. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous voulez faire un enregistrement, vous devez d'abord faire ce qu'on appelle la vérification de votre compte, c'est-à-dire produire une pièce d'identité et un certificat ou une attestation de domicile. Imaginez maintenant que vous allez vouloir créer une société et vous allez à la chambre de commerce de votre ville, quel que soit le pays. Et vous dites, bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais créer un magasin, mais je m'appelle monsieur Trucmuche et j'habite au coin de la rue. On va dire, pardon, monsieur, est-ce que vous avez une pièce d'identité? Où c'est que vous habitez? Non, 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 mais je suis le gars du coin et j'habite derrière le camion jaune là-bas. Est-ce que vous croyez que ça marche? Non. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut enregistrer les parts et il faut savoir qui vous êtes. Donc, c'est pour ça qu'on fait une vérification du compte. Donc, c'est pour ça qu'on doit savoir qui vous êtes,
Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre pièce d'identité et votre attestation de domicile pour savoir où vous habitez. Pas dans une boîte postale, hein? On n'habite pas dans une boîte postale, d'accord? On habite dans une maison. Et tout ça, vous devez le justifier. Si vous allez à la banque, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas de compte en banque si vous posez cette question. Si vous allez à la banque et que vous voulez un compte en banque, qu'est-ce que va vous demander le banquier? Bonjour monsieur. Ah non, non, moi je suis le gars du coin et j'habite derrière le camion jaune. Ça marche? Vous pouvez ouvrir un compte comme ça? Non. On va vous demander votre pédigré. On va vous demander votre adresse. On va vous demander votre pièce d'identité. On va vous demander qui vous êtes. Et là, on va vous ouvrir un compte. Et là, c'est pareil. Si vous voulez devenir actionnaire d'une société, actionnaire, je dis bien, à la bourse, actionnaire, avoir des actifs à l'étranger, quelque chose qui vous appartient, eh bien, vous devez justifier de votre identité et vous devez enregistrer les parts. Pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi il faut enregistrer les parts? On les enregistre pour que vous soyez sur le registre des actionnaires. Vous voyez? Sinon, vous n'êtes pas sur le registre des actionnaires. Parce qu'en attendant, vous êtes entre guillemets en train de commencer à payer des parts. Et si, par exemple, comme tout à l'heure, le monsieur veut arrêter, eh bien, il fait sa vérification, il enregistre ses parts et basta. Et il a un justificatif comme quoi il a acheté. Un peu comme si vous alliez acheter un terrain ou une maison et qu'on ne vous donne pas le reçu. Ou alors vous allez au magasin et puis on ne vous donne pas la facture. Vous avez acheté la plus grande machine, la plus chère, mais on ne vous donne pas la facture. Là, c'est pareil, on vous donne le récépissé. On vous donne le certificat du nombre de parts que vous avez acheté. Et pour pouvoir avoir ce certificat, eh bien, il faut enregistrer les parts. Voilà, j'espère avoir été clair pour l'enregistrement des parts. C'est vrai qu'on a souvent cette question et les gens n'enregistrent pas leurs parts. Pourquoi? Alors, vous pouvez les enregistrer à tout moment. Dès que vous avez payé, vous pouvez enregistrer. Vous pouvez aussi enregistrer à la fin du paiement d'un pack, si vous voulez, ou même au bout de 2, 3 ou 5 packs, comme vous voulez. Je continue les questions. J'espère avoir répondu correctement. Alors, nous avons quelqu'un qui dit, j'ai investi l'option 10 000 dollars payable donc jusqu'en 2025 sans faire de parrainage. Y a-t-il possibilité à terme de se faire de l'argent? Oui, bien évidemment, c'est le but de l'investissement. Simplement, si vous avez choisi de ne pas faire de partenariat, eh bien, il faut comprendre qu'il va falloir patienter. Les gens qui ont la patience d'attendre 3 ans assis sur une chaise pour attendre leur retour sur investissement, c'est bien. Ça existe. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Mais beaucoup de gens que moi je connais, et je pense que c'est quand même 99% des cas des gens, eh bien, ils vont faire du partenariat pour justement se rembourser les fameux 10 000 que vous voulez mettre. C'est-à-dire que les 10 000 dollars, vous pouvez les gagner. Et donc, ce qui veut dire que votre investissement va vous coûter zéro. Et à ce moment-là, aujourd'hui, quand vous aurez investi vos 10 000, vous allez dire, mais est-ce que je vais avoir un retour sur investissement parce que j'ai investi 10 000 dollars? Parce que je sors ces 10 000 dollars de ma poche. Donc forcément, on a envie de gagner quelque chose en retour des 10 000. On veut gagner plus que les 10 000. Mais pour ça, il va falloir attendre. Il va falloir attendre que la société vende de la marchandise. C'est encore la même chose. Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que vous voulez vendre la marchandise avant même qu'elle n'ait poussé sur l'arbre. Et là, il faut attendre que la société ait fait un bilan, qu'elle ait vendu de la marchandise, qu'elle ait vendu des moteurs, qu'elle ait eu des clients avec qui ils vont construire des usines, qui vont créer donc des chaînes de fabrication de moteurs. Et tout ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Donc, soit vous avez effectivement la patience et vous avez pris un pack de 10 000 dollars, mais que vous payez de votre propre poche, et qu'à ce moment-là, vous êtes pendu comme ça, en train de vous dire, mais est-ce que je vais un jour avoir un retour sur investissement? Et vous pendez la langue et vous êtes tous les jours là en train de dire, c'est quand qu'on rentre en bourse, c'est quand qu'on rentre en bourse, c'est quand qu'on rentre en bourse. C'est ça que vous faites. Alors que si vous avez gagné de l'argent par le biais du partenariat, eh bien ça vous aura coûté zéro et vous ne seriez pas en train de demander tous les jours quand est-ce qu'on rentre en bourse. Parce qu'en fait, tout l'argent que vous aurez investi, vous aurez déjà gagné. Vous en aurez même gagné plus pour vivre tous les jours. Et en plus d'avoir investi dans les 10 000, vous en avez encore 10 000 dans votre poche. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ici, on explique le partenariat ce soir. On n'explique pas l'investissement. On explique le partenariat. Et c'est pour ça que je vous explique ça. C'est pour ça que je vous explique qu'effectivement, vous pouvez gagner de l'argent grâce au partenariat et que l'investissement vous coûtera zéro.
coûtera zéro, bah, à ce moment-là, la chose est simple. C'est que vous allez avoir zéro risque. Et vous, vous basez sur un risque parce que vous allez investir de l'argent de votre poche. C'est votre droit. Attention, je ne dis pas que c'est obligatoire de faire du partenariat. Je vous dis que grâce au partenariat, ça vous coûterait zéro et qu'à ce moment-là, le risque serait de zéro alors que vous, vous prenez un risque de 10 000. C'est toute la différence. Alors, maintenant, je vais répondre à d'autres questions. Vous ne savez pas comment procéder à quoi d'enregistrer les parts? C'est marqué « Inscrire ». Vous cliquez sur « Inscrire » dans le back-office. Le bouton, il est là, hein, juste en dessous. Hein. Vous cliquez juste sur « Inscrire » et vous continuez le processus. Si vous n'avez pas fait la vérification, ça va vous le dire. Et sinon, ça va vous générer le certificat qui vous donne le nombre de parts, votre nom, votre prénom, les numéros des parts, etc. Donc, regardez voir. Là où il y a marqué « Part inscrite »,« Enregistré »,« Part pas enregistré », il y a un bouton, il y a marqué « Inscrire ». Et là, à ce moment-là, vous faites inscrire, vous cliquez dessus et vous allez voir ce que ça va vous répondre. Si c'est bon que vous avez fait la vérification, eh bien, ça va vous générer un certificat. Et si vous n'avez pas fait la vérification, ça va vous le dire, ça va vous dire il faut d'abord faire la vérification. L'enregistrement des parts. Alors, vous voulez comprendre l'enregistrement des parts. Eh bien, quand on achète quelque chose, eh bien, il faut enregistrer ça. Vous savez, une société, c'est fait avec des actions. Si vous ne vous enregistrez pas avec votre nom et que vous n'enregistrez pas vos parts, eh bien, en fait, elles sont dans la nature. C'est comme si vous n'aviez presque rien acheté. En fait, il faut, si vous voulez devenir actionnaire de la société, il faut enregistrer les parts pour que ça rentre dans le registre des actionnaires, sur la liste des actionnaires. Si vous n'enregistrez pas vos parts, eh bien, vous n'êtes pas sur la liste des actionnaires. C'est tout. C'est tout simple. Et pour cela, eh bien, vous avez un bouton, il y a marqué « Inscrire » et vous enregistrez vos parts. Et à ce moment-là, ça va vous délivrer un certificat. Oui, c'est des actions d'une société, les parts, Laurent. Si vous êtes arrivé un peu en retard, mais ce n'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est le partenariat. Mais je peux bien vous répondre. Hein. Donc, les parts, ça s'appelle des parts sociales. Pourquoi ? Parce que la société aujourd'hui est une SARL. Vous savez, dans la langue française, on parle de part sociale quand une société n'est pas en bourse. Et quand elle est en bourse, sur le marché boursier, on parle d'action. Deux mots différents. Les Anglais utilisent le même mot. En fait, les Anglais, quand vous allez voir share, ils écrivent S-H-A-R-E. Et si vous transformez, traduisez ce mot sur Google, ça va vous donner action. Donc, nous, en français, nous ne parlons pas d'action si ce n'est pas en bourse. Or, la société Sauvelmash envisage de rentrer en bourse en 2025, si vous n'étiez pas au courant. C'est-à-dire que, en fait, vous avez suivi peut-être qu'une partie des informations. Vous n'avez peut-être pas reçu la totalité des informations. C'est pourquoi je vous invite vraiment à participer aux différents webinaires, de participer aux différentes présentations qui se font dans vos villes, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on parle de parts? Pourquoi on parle d'actions? Quand est-ce qu'on reçoit les actions? Comment faut-il les enregistrer? À quoi ça sert d'acheter des parts? Comment on achète les parts? Comment on enregistre les parts? Moi, je suis en train de tout vous expliquer. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre ou de re-suivre le webinaire parce que ce genre de webinaire est également rediffusé. Donc, en replay. Et si vous avez dans votre entourage des gens qui n'ont pas bien compris, vous pouvez également leur montrer ce webinaire. Ça leur permettra de connaître un petit peu plus le mécanisme de fonctionnement donc de ce genre de business. Alors, je continue. Salut, merci beaucoup Gilles pour le travail que vous faites pour l'équipe. Maintenant, j'ai appris beaucoup de vous. Je crois bien que je vais beaucoup travailler maintenant. Bien, je vous le souhaite et surtout gagner beaucoup d'argent parce qu'on gagne vraiment de l'argent. C'est retirable en plus, ce n'est pas du pipeau et vous avez votre argent sous 24 à 48 heures quand vous faites des retraits. C'est important de le préciser. Attention, la première fois qu'on fait un retrait, c'est un peu plus long. Simplement parce qu'il y a une sécurité et on vous demande plein de choses. Alors, toutes les parts sont enregistrées ou de façon individuelle? Oui, toutes les parts disponibles sont enregistrées d'un coup quand vous cliquez sur le bouton. Ce qui veut aussi dire qu'à chaque fois que vous voulez enregistrer des parts, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'après chaque paiement, vous avez un certain nombre de parts qui s'affichent, qui sont marquées non enregistrées.
Si vous cliquez sur le bouton, vous allez recevoir chaque fois un certificat pour ce nombre de parts. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un pack sur 10 mois, eh bien, vous pouvez cliquer tous les mois sur le bouton pour pouvoir avoir un certificat. Simplement, ça va vous donner des certificats avec un certain nombre de petits nombres de parts dessus. Donc, à ce moment-là, vous les accumulez et vous pouvez en faire un éventail. Vous pouvez dire, regardez, moi, j'ai 5 ou 10 certificats. C'est à vous de voir si vous voulez avoir chaque fois un certificat, chaque fois que vous payez. Ou si vous préférez attendre que vous ayez un certain nombre de millions de parts. Moi, par exemple, je ne sais pas, l'autre jour, j'avais édité un certificat pour 5 millions et là, j'attends d'en avoir un certificat pour 10 millions de parts. Pour que ce soit plus joli, intéressant à montrer. Parce que parfois, si vous avez 150 ou 200 parts ou 300 parts ou 1000 parts, c'est peut-être un peu moins d'impact vis-à-vis des gens qui vous le montrent, c'est tout simplement. Après, c'est à vous de décider. Vous pouvez prendre un certificat quand vous voulez et vous pouvez cliquer quand vous voulez, à condition d'avoir fait la vérification. Alors, autre question. Moi, j'ai vérifié mon compte, mais je n'ai pas encore enregistré de parts car je continue toujours de prendre des packs. Cela peut me porter préjudice. J'ai commencé en 2018. Non, aucun préjudice. Je viens d'ailleurs de l'expliquer à l'instant. Moi aussi, j'attends. Eh bien, d'avoir un certain nombre de millions de parts pour pouvoir avoir un certificat qui comporte plus de millions de parts. Il n'y a aucun préjudice. Simplement, vous pouvez cliquer quand vous voulez et cliquer quand même avant que la société ne rentre en bourse. C'est tout ce que je vous dis. Mais ça, c'est en 2025, donc vous avez encore le temps de cliquer. D'accord? Ensuite, si moi, je veux juste investir et ne pas me lancer dans le marketing, le retour de mon investissement ne me sera-t-il pas satisfaisant? Je le dis parce que vous avez dit quand vous exposez qu'on n'a rien en retour si on ne travaille pas. On n'a rien en retour si on ne travaille pas, mais je ne parle pas de l'investissement. Je parle qu'on n'a rien en retour si on ne fait pas de partenariat actif. Je répète encore une fois que le partenariat n'est pas obligatoire et que j'incite les gens parce que nous sommes dans une soirée où nous expliquons ce que c'est que le partenariat. Donc, comme on explique ce que c'est que le partenariat, c'est le sujet du soir. Donc, bien évidemment, on parle de partenariat et on incite les gens à faire du partenariat. Maintenant, si vous venez à me dire non, je ne veux pas faire de partenariat, non, je ne veux pas faire de partenariat, ben, au moins vous avez entendu de quoi il s'agit et vous pouvez en toute âme et conscience ne pas faire de partenariat. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ce n'est qu'une option. Mais il ne faut pas non plus dire après, je ne peux pas payer, je n'ai pas d'argent, etc. Parce que nous, on donne la solution pour gagner de l'argent. Et les gens qui ne veulent pas faire de partenariat, c'est leur libre droit. Et simplement, on leur dit que s'ils n'ont pas d'argent, eh bien, ils peuvent en gagner. C'est tout. Donc, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Mais les retours sur investissement, sur l'investissement, se fera qu'en 2024, voire 2025. Donc, il faut patienter un peu. C'est ce qu'on appelle eh bien, de l'investissement à long terme. Et si vous voulez faire du partenariat, eh bien, ce sera du retour à court terme. Donc, choisissez. Faites ce comme bon vous semble. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ne venez pas pleurer ensuite en disant « je ne sais pas comment ça se fait que je ne peux pas payer mes mensualités, je n'ai pas d'argent ». Voilà, c'est ça que moi je dis. Alors, il me reste 2 parts sur les 10. C'est possible d'enregistrer le tout après avoir soldé? Oui. Vous pouvez cliquer à tout moment, à la fin du pack ou pendant, comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Si je fais passer mon pack de 750 $ à 10 000 en ce moment même, est-ce que je vais prendre mes bonus de promotion du pack de 750 parce que vous avez eu un pack de 750 $ lors des promotions? Oui, vous allez garder les parts bonus, mais uniquement les parts bonus correspondant à 750 $. Donc, vous emportez vos parts bonus. N'oubliez pas non plus que la son condition sine qua non, la condition pour pouvoir garder ces bonus, c'est de payer tous les mois sans une seule journée de retard. C'est vraiment très important, ça fait partie des conditions pour garder les bonus donc, qui ont été distribués durant 2 mois pour les gens qui ont participé à la promotion. Donc, je répète pour répondre à votre question à Kofi. Si vous voulez upgrader vers un pack de 10 000 $ alors que vous aviez un pack de 750 $ avec bonus, vous allez garder les bonus, ils vont rester en bas du pack sur le calendrier des paiements. Mais ce ne seront que les bonus de, je crois, 10% sur le pack de 750. Je crois que c'est 10% ou 20%, je ne sais plus. Eh bien, vous allez les garder, mais que
sur la part des 750, pas sur le pack de 10 000, s'il vous plaît. J'espère que ça a été clair, mon explication, parce que justement, on m'a posé cette question dernièrement et j'ai pris des précisions auprès de la compagnie. N'hésitez pas à demander au support également, hein, si vous avez des questions. Ils sont là pour ça, ils sont sur le chat toute la journée. Attention, ils ferment à 21 h, soit à minuit à Moscou, pour les pays où il y a, par exemple, 3 heures de décalage, comme en Côte d'Ivoire. Alors, Waka, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai été malade sur mon dernier pack de 100 $. Ah, vous avez acheté un pack pour les poules. Pardon de vous dire ça. Je n'ai pas pu payer la dernière mensualité. Est-ce que je peux encore attraper ce pack? Selon la durée à laquelle vous avez pas pu payer, vous avez normalement un bouton qui s'appelle restituer dans le compte et vous devez charger la dernière mensualité. Vous cliquez sur le bouton et vous devriez pouvoir restituer le pack. Je voudrais, ceci dit, préciser à toutes les personnes qui ont un pack annulé et qui ne savent pas comment le rattraper parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils peuvent s'adresser à moi-même. Je suis partenaire national et je peux vous aider à remettre le pack en place avec une seule mensualité. C'est à moi ou à mon assistante Barbara, que vous connaissez bien et qui est sur les différents groupes WhatsApp. Écrivez-moi en inbox, par contre, sur WhatsApp, c'est mieux que d'étaler vos problèmes sur les réseaux. Et je vous aiderai à remettre votre pack en place, mais créditez d'abord une mensualité et contactez-moi après, c'est mieux parce que sinon je vous demanderai de créditer et si c'est pas fait, ce sera pas bon. Salut à tous, je suis nouveau, je commence par quoi? Vous commencez par acheter un pack. Je vous le conseille vraiment parce que sans avoir la crédibilité d'avoir acheté un pack, vous aurez du mal à promotionner. Si vous voulez vraiment commencer par quelque chose, commencez à prendre un pack de 50, de 500 $ avec raison 50 $, 35 000 CFA par mois. Cela vous mettra également un petit peu de, comment dire, de carotte devant le nez. C'est-à-dire que ça va vous inciter à chercher des partenaires pour pouvoir payer votre mensualité suivante. Donc, c'est des fois une façon de driver, une façon de vous inciter à faire quelque chose. Commencez déjà à part suivre les webinaires, allez aux présentations en direct, fouillez le back-office, comprenez comment ça fonctionne. Regardez les vidéos sur la chaîne YouTube que vous a donné Baba tout à l'heure en début de ce chat. Vous avez un lien pour voir la chaîne YouTube. Allez-y, regardez les vidéos, renseignez-vous. Voilà, faites un petit peu le tour et ça ira beaucoup mieux. Salut, merci pour tout. Comment trouver son lien de parrainage dans le back office? Allez dans pour les partenaires. Ensuite, vous cliquez sur outils de partenariat. Par contre, je vous conseille vivement de ne pas utiliser le lien de partenariat. Je vous conseille plutôt d'inscrire les gens en leur offrant 100 parts gratuites. Pourquoi? Parce que si vous avez des gens qui s'inscrivent par le biais de 100 parts gratuites, vous allez faire un heureux et vous allez gagner 100 parts gratuites aussi si la personne fait sa vérification sous 30 jours. C'est-à-dire que, en fait, le travail que vous allez faire, vous allez gagner quelque chose. De plus, en gagnant 100 parts à chaque fois que la personne que vous avez inscrite validera sa vérification du compte. Et si vous donnez juste le lien de partenariat, vous pouvez le mettre dans une annonce, bien sûr, un lien de partenariat, ça sert à ça. Mais si vous voulez inscrire des gens, c'est plus sympathique de leur offrir 100 parts. Et pour ça, vous cliquez sur le cadeau qui se trouve dans le back office. Dans le menu, vous avez un gros cadeau qui est dessiné, vous cliquez sur le cadeau. Et là, vous remplissez nom, prénom, adresse, email et numéro de téléphone de la personne, en rajoutant bien sûr son indicatif téléphonique du pays. Et ça vous permet de lui offrir 100 parts gratuites. Utilisez plutôt cette méthode. Ça vous permet de ne pas avoir de problèmes, notamment de liens de partenariat, qui justement n'aboutissent des fois pas et qui font que les gens sont ensuite inscrits sous la compagnie et vous allez râler parce que c'est comme ça. Donc, inscrivez les gens avec le cadeau, c'est beaucoup mieux. Et vous, ça vous rapporte également 100 parts gratuites. S'il vous plaît, est-il possible d'activer un pack annulé de 500 $ et le monter à 1 000? Oui. Adressez-vous à moi. Si vous ne savez pas comment, vous voyez avec Barbara, essayez de me joindre en inbox sur WhatsApp, sur Facebook, donc sur Messenger, enfin pas trop sur Messenger, plutôt WhatsApp, c'est préférable pour moi. Et on va voir ce qu'on peut faire. Commencez par créditer les 50 $ d'un pack annulé. Donc commencez par mettre 50 $ sur votre compte et je vais vous aider à remettre le pack en place et ensuite vous pourrez faire un upgrade vers un pack de 1 000. En fonction du nombre de mensualités. Vous pouvez même le faire automatiquement, ça se fait dans le back-office.
Vous pouvez même voir le nombre d'argent qu'il faut rajouter en fonction du nombre de mois que vous avez déjà payé. Merci. Ils ont un service client qu'on peut appeler oui, appeler non, c'est plutôt en ligne sur un chat. Vous avez une petite bulle en bas à droite de votre écran. Cliquez dessus et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre. Attention, pas toutes les heures. Par exemple, en Côte d'Ivoire, à 21h, c'est terminé parce qu'il est déjà minuit à Moscou. Et il est préférable donc de voir quel est le décalage horaire avec Moscou, sachant qu'eux finissent à minuit, heure de Moscou. Et si vous avez 1 heure, 2 heures ou 3 heures de décalage avec Moscou, eh bien, c'est fermé autant d'heures avant minuit. Merci, me dit-on encore. Ensuite, merci, toutes ces belles précisions, je vous en prie. Présente très bien, mais je suis arrivé trop tard. Oui, Laurent, ce n'est pas un problème. Nous avons ce qu'on appelle des replays, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revoir dans quelques jours ce webinaire et il sera disponible sur la chaîne YouTube dont on vous a donné les coordonnées en haut. On va demander à Barbara de remettre encore une fois le lien dans le chat pour que vous puissiez vous brancher sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, sur laquelle vous pouvez voir également la présentation du projet des moteurs du UNOF en bleu que je viens de poster il y a un jour de cela. C'est possible d'avoir ce webinaire après l'entretien? Oui, je viens d'en parler. Donc, ce sera disponible sur la chaîne YouTube, mais patientez des fois 1, 2 ou 3 jours en fonction de la charge de travail que j'ai. Des fois, c'est même 8 jours. Mais en général, les webinaires finissent par apparaître sur la chaîne YouTube en français. Le lien partagé par Barbara, oui, elle va vous le redonner. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je pense que, voilà, je n'ai plus de questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. En guise de fin, je vais vous laisser avec un petit reportage. Donc, je vais couper ma caméra, on va finir le webinaire là. Je vous remercie d'avoir assisté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire. Attention, nous avons des invités, notamment ce mois-ci, c'est Pavel Chatzky. Vous aurez l'occasion de poser des questions, des choses que justement vous voulez savoir, mais plus du côté chiffres. Hein, si vous avez des chiffres à demander, c'est Pavel Chatzky, c'est Monsieur Chiffre. Voilà, Barbara vient de vous redonner le lien de la chaîne YouTube. Vous pouvez donc y accéder. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Comme ça, vous aurez les vidéos en premier. Vous aurez des informations. Ça vous permettra d'avoir des informations en avant-première, notamment les vidéos qui paraissent avant que nous ne les publions sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir les voir sur cette chaîne YouTube. Je vous remets une petite vidéo. C'est une vidéo sur le terrain. Nous avons été avec les différentes délégations des différents pays. Je vous remercie de les regarder. S'il y a des gens des différents pays qui sont été présents et qui sont présents dans la salle, je vous conseille d'écouter, de voir cette petite vidéo. Elle se trouve également sur la chaîne YouTube, pour que vous puissiez vous faire une petite idée de la réalité sur le terrain de ce business et de la véracité à pouvoir le promotionner sans aucun problème et sans aucun doute qui envahissent parfois les personnes et les détracteurs qui pourraient vous détourner d'un business sérieux et qui rapporte de l'argent et qui paye régulièrement. Merci beaucoup. Je partage avec vous cette vidéo. Je couperai et je vous dis à très bientôt. Suivez la dernière vidéo. Restez connectés pour ceux qui le souhaitent. Et je vous balance la petite vidéo de Moscou où nous avons été il y a un peu plus d'un mois de cela. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt. Restez connectés pour la vidéo qui va être diffusée dans quelques secondes. Eh bien, nous voici à nouveau sur le chantier. J'en profite d'avoir Alexandre Soudarev avec moi parce que c'est vraiment lui qui est le chef de tous ces. De ces vidéos qu'il présente et de tout ce qu'il nous montre. Мы на строительной площадке, вот с нами Александр Сударев, который является просто хозяином вообще всех этих видеопроцессов, которые мы наблюдаем. Александр, j'ai tout de suite une question. Qu'est-ce qui a évolué depuis que nous étions là avec Barbara au mois de février? Александр, что изменилось здесь с февраля, когда мы с вами виделись с Барбарой лично? Последний раз. Во-первых, в этот раз вы подготовились лучше меня, потому что мне ничего не видно из-за светящего мне в лицо солнца. Вот. Bon, cette fois, vous êtes mieux préparé que moi parce que je ne vois rien à cause du soleil qui me brille direct dans les yeux. Mais c'est pas grave, au moins il n'aura pas de contre-jour. Ничего страшного, хотя бы не будет. Если серьезно, на самом деле изменилось достаточно много. Здесь уже завершается закрытие теплового контура. Осталось лишь смонтировать двери и ворота.
En fait, beaucoup de choses ont changé. Le contour thermique est bien clôturé. Ce qui reste, c'est les portes et les portes cochères. Выполнена подбетонка первого этажа и закрыты все лестничные марши. On a terminé les travaux de sous-béton au rez-de-chaussée et on a aussi fait tous les escaliers. D'accord. Et alors, la dalle de béton, ça sera pour quand? Est-ce qu'ils ont déjà commencé la dalle? Когда уже плитку будут класть, вот эти вот карты бетонные? Скажем так, уже в ближайшее время будут делать бетонные гидроизоляцию плиты первого этажа и, соответственно, будут заливать финальную часть бетона. Плит не будет, это будут большие секции, которые будут отливаться, ну, скажем, достаточно крупными частями. После того, как это будет реализовано, мы сможем установить теплотехническое оборудование. Donc on va d'abord faire l'hydroisolation du rez-de-chaussée, puis il n'y aura pas vraiment de dalle, il y aura de grosses sections de béton en fait au rez-de-chaussée. D'accord, d'accord. Et puis on pourra y mettre l'équipement thermique. Et est-ce que cette isolation est justement pour le sol? Это изоляция. Используется, но сейчас же монтируются и межкомнатные, межстеновые перегородки, межкомнатные перегородки. И происходит процесс утепления пола второго этажа, ну, на самом деле, потолка первого этажа, можно так сказать. En fait, c'est utilisé dans pas mal d'endroits. И, par exemple, on utilise cela pour les partitions entre voilà, les salles, les chambres. И, par exemple, c'est utilisé pour isoler, en fait, on peut dire, le plafond du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage. Oui, parce qu'il faut bien isoler, parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de froid, bien sûr. Et pour la viabilisation, alors, on en est où? Est-ce que ça sera fait au mois d'août? Est-ce qu'on peut déjà commencer? Ou est-ce qu'il faut récolter toute la somme dont on a besoin pour faire cette viabilisation? Что касается инженерной коммуникации, все-таки есть уже деньги, чтобы начинать хотя бы? Или нужно ждать, пока сумму соберут? Сумма должна быть собрана в любом случае, потому что сейчас те средства, которые поступили, мы пускаем на то, чтобы подготовиться к работе с внешними инженерными сетями. Сейчас мы работаем с внутренними сетями. То есть, простыми словами, для простоты. Нужно закончить ряд работ по закрытию контура и установке теплового оборудования. И после этого мы сможем уже говорить о скапывании грунта, да, и проведении внешних сетей. En fait, on attend effectivement donc la collecte des fonds parce que maintenant on est juste en préparation. Il faut finir avec les travaux externes. Il faut voilà mettre l'équipement thermique et fermer vraiment le contour thermique pour après pouvoir faire. Oui, mais on disait que le contour thermique était terminé à part quelques détails. Donc on est encore sur les détails pour le moment. Но вроде говорили, что тепловой контур уже закончен. То есть получается, что какие-то детали просто в этом плане остались. Нужно смонтировать двери и ворота. Для этого нужно по границам вот здания залить финальный пол, и как раз таки вот после того, как он будет залит, мы сможем смонтировать все двери и все окна, потому что если, прошу прощения, не окна, двери и ворота, если двери и ворота и вообще любые другие отверстия останутся открытыми, то, ну, греть здание будет бессмысленно. Это первый момент. En fait, il faut couler le plancher de tout, en fait, pour pouvoir après y mettre les portes et les portes cochères, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Oui, oui. Ça ne sert à rien. Oui, tout à fait, on a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. On a beaucoup de monde autour de nous. Nous avons bien sûr le Bénin qui est ici présent, avec Barbara, avec Alphonse. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Alexandre. Je t'ai répondu à vos questions. Merci à vous. Alors, Alphonse, voilà, ça y est, nous y sommes. Depuis le temps qu'on parle, bien sûr, de ce chantier, eh bien, nous y voilà, enfin. Ouais, vraiment, j'ai... Alors, donne-moi un peu tes impressions, Alphonse, là. Ben, tu vois, toi, tu es grand, mais le bâtiment, il est grand aussi derrière nous. Gilles, mes sentiments sont énormes, parce que j'ai compris qu'il faille réellement faire ce déplacement pour pouvoir avoir réellement cette émotion. Mon émotion est vraiment énorme. Et quand j'ai vu la dimension, j'ai commencé par courir tout de suite pour pouvoir rapidement faire une vidéo. Et j'ai fait tout le tour pratiquement. Et voilà, et Alphonse a déjà fait le tour du bâtiment alors que personne n'a fait le tour du bâtiment. Parce que simplement, et vu de loin, on ne comprend pas la dynamique. Mais quand j'ai vu là où on gare les voitures, et j'ai vu la dimension que prend tout le tronçon, et quand on est rentré à l'intérieur, j'ai vu l'espace, j'ai compris réellement qu'on ne nous mentait pas, que c'était bien 2,1 hectares et qu'ils ont pu exploiter. Oui, 14 900 mètres carrés et qui peuvent aller jusqu'à 17 000, c'est quand même assez grandiose. Voilà. Merci Alphonse pour ce petit mot. Voilà. Nous étions là avec Barbara donc au mois de février. Oui. Et bien sûr, Barbara, le Bénin aussi est présent. Et c'est vrai que les choses ont changé depuis que nous étions là au mois de février. Ça a vraiment évolué. Ça a évolué et aujourd'hui nous avons le soleil, nous avions la neige la dernière fois. On avait aussi un petit peu de pluie et de choses comme ça. Donc aujourd'hui c'est avec le grand soleil qu'on est de retour et on a ramené le soleil du Bénin. Tout
avec nos amis béninois, Alphonse et Barbara. Je dois te dire quand même qu'actuellement, je respire vraiment parce que l'émotion quand on est au Bénin et qu'on n'a pas encore mis pied ici, puisqu'il y avait eu déjà beaucoup de ratés au niveau des packages d'investissement que les gens ont tripoté, ont volé, ont dû voler les populations. Les gens ont toujours cru que le projet Solar Group n'était réellement pas quelque chose de concret, mais c'est du pipeau. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve qu'ils ne doivent plus avoir peur et que réellement ils peuvent investir tout en sachant qu'on a presque terminé, qu'il n'y a plus de risque et que c'est maintenant le moment d'avoir de l'audace. Merci à toi Alphonse et en tant que partenaire national du Bénin, bien sûr j'invite tous les Béninois. Et Alphonse, expert sur la groupe, voilà. Et Barbara aussi, expert sur la groupe du Bénin. Voilà, du Bénin. Eh bien, on vous remercie et on dit un petit coucou à tous les Béninois. Avec depuis le grand partenaire national Gilles Weber. Depuis Zelenograd. Voilà. Bye bye les Béninois, à bientôt. Merci Technopolis. Bye bye. Merci. Alors voilà, cette fois-ci nous sommes avec nos amis camerounais. Le drapeau est d'ailleurs là. Bonjour Victor. Bonjour Laura. Bonjour Gilles, bonjour Barbara. Alors voilà, donc nous sommes avec. Bonjour Gertrude, comment ça va? Très bien. Eh bien voilà, trois camerounais. Alors jamais 203, ils sont venus à 3. Et bien évidemment, ils sont très ravis. Alors Victor, un petit mot, quelles sont les impressions de tout le monde? Ben, je suis impressionné, je suis ému parce que voyez-vous, ça est depuis 2017. Et pour nous, ça fait bientôt 2 à 3 ans que nous travaillons sur ce projet, que nous levons des fonds. Et à un moment donné, on se demandait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce que nos fonds sont vraiment utilisés? Mais là, lorsque nous venons sur place et nous voyons cela, vous savez, dernièrement, Gilles était ici avec Barbara, ils nous ont envoyé des images. Mais je me suis dit, je serai davantage convaincu lorsque je viendrai sur place. Et oui, nous sommes là, c'est réel, c'est vrai. Le centre d'ingénierie est là, il est presque finalisé. C'est le moment plus que jamais, chers investisseurs camerounais, chers investisseurs africains, de se mobiliser financièrement pour apporter à Solar Group, à notre compagnie, les moyens qu'il faut pour terminer ce projet et passer à la phase commerciale. Enfin, une fois que nous sommes dans cette phase commerciale, nous investisseurs, nous commençons à profiter du fruit de cet investissement. Donc je suis très content et vraiment je dis merci, bravo, chapeau à tout le staff de Solar Group et de Sovelmac. Je dis bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement et je suis vraiment content. Je dis surtout bravo à toute mon équipe au Cameroun et tous ceux qui sont là avec moi, Laura, je pense à Roland, je pense à Franck qui nous a rejoint, je pense à toute l'équipe qui est là, César, tout le monde avec qui nous travaillons. Guy, nous devons plus que jamais continuer à travailler afin de porter très haut ce projet au Cameroun en Afrique parce que c'est le premier mais ce n'est pas le dernier projet. Il y a bien d'autres projets avec Sovelmac, il y a bien d'autres projets qui arrivent. Nous devons soutenir ce projet. Merci Gilles. Merci le Cameroun, merci beaucoup. Et merci. À bientôt. Ah, bonjour Harrison, je vois que toi tu as ramené aussi le drapeau de ton pays, le Togo. Le Togo est présent ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Togolais. Hein. Alors maintenant on les voit en Russie. C'est extraordinaire. Alors Harrison, quelles sont tes impressions quand tu vois ce bâtiment ici derrière nous? Alors, vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de représenter aujourd'hui le Togo sur le site de Technopolis de Moscou. Donc il faut dire que je suis le miroir à travers lequel les Togolais vont voir aujourd'hui le site. Il est bien vrai que depuis quelques années, le business a vraiment été ralenti. Mais j'espère quand même qu'avec ma présence ici, le business sera vraiment relancé d'aplomb et que vraiment nous allons peut-être... Oui, parce que comme le disaient nos Béninois il y a quelque temps sur une autre vidéo, eh bien, il y a peut-être la peur aussi des Togolais de penser que c'est peut-être une arnaque, alors que ce n'en est absolument pas une. Nous avons ici eh bien, la preuve vivante de notre ami Harrison qui est Togolais et qui est venu toucher et voir pour croire et vous ramener la bonne nouvelle jusqu'au Togo, jusqu'à Lomé, jusqu'aux alentours de Lomé bien sûr. Merci Harrison. Merci Gilles Weber. Et tu participes, tu es le seul Togolais ici. Et je t'en félicite. Merci beaucoup. Merci. Nous avons accueilli plusieurs délégations ici sur le chantier. Nous accueillons également le Sénégal, le seul Sénégalais aussi présent ici. Bonjour Cérine, comment ça va? Bonjour Gilles, je vais très bien. Alors et Barbara, vous allez bien? Oh bah oui, hein. Nous on va super bien, on est super contents. Nous étions là au mois de février et on a eu l'occasion d'emporter également dans nos valises un Sénégalais. Alors, on est vraiment très content. Et rassurant vraiment de se présenter ici à la conférence de la Solar Group et avoir l'occasion aussi de visiter l'édifice, le grand édifice, le bâtiment de Sovelmac. Oui, parce que ça, pour grand, il est grand, hein, oui, ça, effectivement. Il est grand, vraiment.
C'est du réel, c'est du physique, c'est pas du blabla. Je souhaite donc, que tu parles le Wolof aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, quand on va au Sénégal, nous avons fini la conférence sur la groupe de représenter le Sénégal. Nous sommes Marega, nous sommes venus. Mais pour le moment, nous sommes ici. Batima bi mi ngi ni ngandane yatuna ñi ngi len di wo yeen ñep ngeen ñew investir c'est du réel du ay fen du ay naxé terrain nuy la won mais légui heureusement batima bi dem na ba ag fi on peut dire qu'on a réalisé les 90% du travail donc ce qui reste c'est 10% rek mo dess pour ñu jeex kon nañ gëna doll suñ loxo ci liguey bi nañ gëna taxawal réseau bi pour affaire yi gaaw ñu mëna am suñuy dividende mëna am ay bénéfices une situation financière sopé ko kon ñi ngi leen koy wax yeen yépp di leen dalal di leen rassurer yeen lañ fi nekkal vraiment li mom amul a tiaxan lu wër la dal lu wër la merci beaucoup Gilles notre partenaire national et Barbara je te remercie également merci Cyril merci tu emporteras tous ces jolis mots au Sénégal pour bien sûr saluer tous nos amis sénégalais que nous avons vus au mois de mai et que nous étions très heureux donc lors de la grande conférence. Toi tu n'étais pas venu à la conférence exceptionnelle parce que tu habites loin de Dakar mais tu es venu sur le chantier, ça compense tous les 130 personnes qui étaient présentes dans la salle. Merci beaucoup. Bonsoir Barbara, enfin on s'est déjà vu toute la journée, hein, donc bien sûr nous avons eu l'occasion de parler à cette conférence donc à Zelenograd, conférence internationale Solar Group. Je vous rappellerai que à nous deux, avec Barbara mon assistante, nous représentons l'ensemble des pays qui sont présents ici, donc 7 pays, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso qu'il ne faut pas oublier. Et rappelle-toi Barbara, nous étions là, il y avait un peu de neige, nous avions des gros manteaux et aujourd'hui eh bien, nous sommes presque en petite chemise parce qu'il fait chaud et que nous sommes revenus sur le chantier qui a, ma foi, beaucoup progressé depuis que nous étions là. Et je pense que la sensation est assez intéressante. Qu'est-ce que tu en penses Barbara? La sensation est très intéressante. Tout a changé ici. Et je souhaite que le projet se termine bien. Voilà. Et que d'autres gens aient l'occasion de venir prochainement. On salue bien sûr ceux qui n'ont pas pu venir et qui auraient souhaité venir. Et on va les remercier également. On va remercier tous les gens qui nous ont accueillis ici, la direction de Solar Group. Et bien sûr, avec Barbara, nous restons encore quelques jours en Russie pour participer à d'autres événements qui sont issus de la conférence Solar Group. Merci Barbara, merci, à bientôt. À bientôt.